Eh ben salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont vous n'êtes pas prêts. Pourquoi? Parce que vous avez tous reçu le Platinum et moi j'y vais pas dessus. J'irai que demain. Voilà, parce que j'en avais tous programmé de dire que ça soit demain. Je m'en fous de Giant, nous les ont filé 24 heures en avance, on ira demain. Voilà, c'est tout. Ce soir c'est Offberman, serveur communautaire, on est nombreux. Il y a Soussou, il y a Anthony, il y a Aurélien, il y a Chris, il y a James, il y a Taz qui sera avec nous. Plus tous ceux qui vont nous rejoindre pendant la soirée, parce qu'on aura peut-être de la visite. Voilà. Comment ils vont tout le monde? Qui est-ce qu'on a? Salut Alexander, Tilulu, salut. Oui, vous pouvez dire bonjour, bonjour. Bonjour Twitch! Pas tous en même temps, je deviens sourd. Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Comment ils vont les enfants? Merci petit Lulu pour le café. Le café, j'appuie sur le bouton, il va tourner directement. Voilà. J'ai essayé de régler mes problèmes de son. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Enfin, du moins, je l'espère. Hein, bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Donc, nous avons qui dans le chat? Nous avons Simon Titi, Lini, Alexander, Dédé, Pig, Kéké. C'est pour me décompresser, je suis en train de... Fais les tétons. Tobias, Chris, Scorpion, Fista Booster, Anderson, Monsieur Anderson, pardon, excusez-moi. Lucas, c'est moi, salut, salut. C5, Monsieur le Panda, Farmer, 62 Juju et Petit Lulu. Comment vous allez, les gars? Est-ce que c'est la forme? Ça va, pas trop déçu? On n'est pas sur le Platinum? Je vous mets le jeu, c'est parti, let's go. Merci petit Lulu du coup pour le Kawa, hein, merci beaucoup. On n'oubliera pas le sponsor du jour qui est Gportal, moins 10% sur les serveurs de jeu. Donc n'hésitez pas à participer à la vie de la chaîne en prenant les serveurs chez Gportal. En plus ça vous fera économiser des sous parce que c'est 9,80€ pour un 16 slots. Et c'est compatible, tous les DLC compatibles et vous pouvez mettre au taquet de mode. Et vous avez l'extension de 2€ si vous voulez avoir plus de 25Go de mode, voilà c'est tout. Faites-vous plaisir, éclatez-vous sur Gportal, ça marche super bien. Rien à foutre du Platinum. Ah bah c'est cool, de toute façon on verra ça demain. Donc je l'annonce quand même, demain sur le Platinum, ce qu'on va faire c'est un speedrun. Ça n'a jamais été créé, c'est un concept que je lance. Voilà, c'est à la sortie du DLC tout simplement, on va essayer de démarrer toutes les usines de prod et on va essayer de les finir. Voilà, donc on va essayer de finir le roller coaster, on va essayer de voir comment fonctionne le reste. Mais le roller coaster ça sera notre cible prioritaire à démolir demain avec tous ceux qui sont là pour participer. Donc le serveur sera ouvert en full open source, ça veut dire que si vous avez le Platinum, bah vous pouvez venir. Vous n'aurez pas besoin de forcément passer par le Discord, voilà, parce qu'il n'y aura pas de mot de passe. Donc vous pouvez venir et venir nous filer un coup de main. Il y aura tout le matériel nécessaire pour abattre les arbres, il y aura toutes les nouveautés sur la carte, ça sera une partie cheatée. Le seul but qu'on veut faire, c'est éclater ce manège, voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est demain le Platinum de toute façon, non? Oui, c'est demain. Ce soir, c'est Offberman. Oh, il est beau Anthony en JD. Il est beau Anthony en JD. Ah, il est tout beau. Du coup, les enfants, nous sommes en avril. Oh, vous avez bien avancé. Oh putain. Oh bah ouais, Aurélien, vas-y. Démarre ce live, 100€. Merci. C'est la PLS du démarrage. Là, tu t'es dit, il y aurait pas de train de live de démarrer. Tu t'es dit, bon, allez, écoute, je vais lui coller 100 balles, ça sera bien. Merci énormément Aurélien pour les 100€. Merci, c'est un fou. De rien, de rien. Un grand malade, merci pas beaucoup. Pas arrivé pour mon bordel. Donc. Bah nickel, bah, t'es venu pour foutre le bordel, ça tombe bien. C'est la règle du communautaire, c'est de s'amuser. Donc c'est parti pour s'amuser. Donc les gars ont avancé jusqu'en avril parce qu'ils ont continué à jouer derrière moi. Hein, ce qui est normal, c'est le but du communautaire. Parce qu'il est ouvert 7 jeux sur 7, 24 heures sur 24. Donc vous pouvez y aller à n'importe quel moment, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je sois là, hein, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir en live pour les majeurs, les mineurs malheureusement je peux pas les prendre, mais vous pouvez jouer H24 dessus, donc c'est une carrière qui est construite, et puis ça, si vous êtes tout seul dans votre coin à jouer et que vous vous faites chier, bah, c'est l'occasion de réunir un peu beaucoup de monde qui aime bien farming, qui joue à farming, et dans les catégories partir de zéro, voilà, même si là ça devient assez facile d'avancer, on est en mode saison, et ben, bah, c'est une occasion pour vous de... Bah de connaître du monde, vous allez voir, ils sont pas méchants, ils sont plutôt même rigolos. Ce soir, je passe vite fait car très fatigué. Demain, je dois me lever à 4h du matin. Ok, pas de problème à gris. Et bah écoute, repose-toi bien, reviens en forme pour demain soir et ça sera parfait. Obligé de parler, alors c'est mieux pour communiquer, mais au pire, tu peux utiliser le chat. Tu vois, t'es pas obligé de. Tu peux venir en muter sur Discord du moment que t'entends les gars qui te demandent un truc ou un truc comme ça, tu vois, tu peux. Faut utiliser Discord un minimum, c'est plus pratique.
Mais c'est surtout une histoire de communication. Mais après, si tu viens et que t'as pas de micro, bah, tu peux venir quand même. On va pas te foutre à la porte parce que t'as pas de micro. On n'est pas des chiens. C'est comme la légende urbaine qui disait qu'il fallait être sub à ma chaîne absolument pour venir sur le communautaire. C'est pas vrai. Vous pouvez venir sans être sub, c'est entièrement gratos. Voilà. Y a pas de problème. Non, ça c'était pour la carte, ça. Non plus. On va pas commencer à lancer des trucs que les gars ils vont relayer qui servent à rien. Non plus. La carte est gratuite. du coup, Soussou, t'en es où? Parce que je sais que c'est toi qui étais le patron hier. T'as continué quoi? Oh non, moi je suis pas patron de rien du tout. Moi, je suis patron juste de mes fesses. Ah, t'es pas trop de tes fesses, ok. Vous avez fait quoi de beau hier alors? Pas grand chose. Hein. Vous avez fait des missions, vous avez avancé le temps et c'est tout quoi? Du coup, on a quoi à faire là? On est en avril. Parce que moi je reprends le train. Il manque plus que les poules de notre ferme à nourrir. Les petites poules d'en bas à nourrir? De chez nous, là, okay. De base. On prend la mission de pressage ou pas? Il est quelle heure? 8h, 9h? Pour que ça, autant avancer le temps. Ok. Donc bah on va avancer le temps, ça sera plus simple. La carte est pas pour les subs avec un don minimum de 100€? Bah si, c'est pour ça qu'Aurel il vient de me faire un don 100€. D'ailleurs, si vous voulez faire le don tout de suite, vous inquiétez pas, je note vos noms et vous serez les seuls à avoir la carte. Absolument pas! C'est gratuit! Calmez-vous. Calmez-vous, je vais me fâcher. Après, vous allez vexer le patron, je vais tousser dans tous les sens. Arrêtez, vous allez me faire crever. Personne t'a offert de chocolat? Si, j'ai eu mon café. C'est petit Lulu qui m'a offert mon petit... Comme d'habitude, souvent petit Lulu qui arrive le premier et qui me paye le café. Ouais, on va dire ça. Obligé de parler car je veux pas que l'on sache que j'ai 12 ans. Lol, déjà vécu. ça arrive malheureusement. OMG, il m'a dit 1000€. Alors écoutez, vous avez tous le lien du PayPal, hein, vous faites point d'exclamation don, si vous voulez filer 1000€ pour la carte, c'est pas moi qui vais dire non, hein. Bah, allez-y, hein. Cattez-vous. Hein. Je partagerai avec Pépon, bien sûr, y'a pas de problème, puis les gars qui ont participé. Roro, vous voulez se... ce côté pas. Ouais, je comprends. Attends, bouge pas, j'en ai perdu mon latin. On va avancer le temps, on va regarder si on peut choper quelques missions. Parce que là, j'ai du monde, donc on va les mettre au boulot, ça sera pas mal. Du coup, c'est James qu'on a perdu. Il est parti sur la route, c'est ça? Ouais, c'est James qu'on a perdu. Ouais, je viens de le voir. De toute façon, nous, on n'a pas les cultures avant un bon moment. Ces cultures, elles sont dispo quand, là? C'est le colza, c'est au mois de juillet. Ouais, on aura le colza au mois de juillet. Donc, on peut avancer le temps méchamment. Les finances devraient pas être trop dégueulasses. On est à moins 250 000. Hey, ils ont bien creusé le crédit, quand même. Moins 250 000, c'est pas mal. J'ai remis les sous hier avant de déco cette. Ça, c'est cool. C'est pareil, je vous laisse quartier libre, les gars. Si vous avez besoin d'investir, vous voulez taper le crédit, vous prenez la responsabilité de le reboucher. Voilà, c'est comme moi. Quand je tape le crédit, je prends la responsabilité à dire à mes esclaves de le reboucher. Ce qui est tout à fait logique. Voilà, ben, vous faites pareil, vous démerdez. Pas lui-même, c'est pas marrant. Bonjour à tous, bonjour. Quelle joie de vous retrouver. Salut, Ludwig. Ben, quelle joie c'est de te voir. Merci beaucoup. C'est ta femme. T'as pas payé la facture de DF, elle se retrouve dans le noir. Attends, je bouge pas, je coupe le temps, je regarde l'émission. Y'a rien. Y'a rien. Bon bah s'il y a rien, ouais, on va passer la journée. On va passer une journée complète. Avec... Hein. Ouais. 3 personnes différentes, tout ça pour une seule question. Ah bah c'est pas mal. Comment vas-tu? Non, je pense pas. Je les vois tous danser, donc je pense que c'est bon. C'est tu lances pas de live ce soir? Ah tu lances pas de live ce soir? Bon, ça c'est pas un souci. Ta femme elle va gueuler que tu bosses pas encore, t'sais. Bah tu sais c'est la question qu'elle m'a posée, elle fait tu live ce soir ou pas? J'en sais rien. J'ai pas demandé au patron, j'ai pas le temps de le croiser avant. Ouais j'ai dit j'ai pas demandé, je vais rester avec le patron. Bah écoute ça va bien, je tousse pas trop, je tousse beaucoup moins qu'hier, donc normalement ça devrait bien se passer. Je tousse un peu mais beaucoup moins qu'hier, donc, déjà on est bien. Il est 8h, nous sommes au mois de mai, nous avons du désherbage, désherbage, pressage, pressage. Là, ça peut devenir intéressant de commencer à le prendre. On peut louer les deux matos de pressage. Il y en a plus que trois. Et pourquoi elle est disparue à la quatrième et... Les deux missions de pressage sont louées avec Ok. Désherbant, on le prend aussi vu le nombre qu'on est, on peut. Hein. Bah, franchement. Le bordel. Ah, bah, on va rigoler. Tiens, allez, vas-y, je vais le faire. Je vais le faire. Et arrêtez de mater ma femme, les gars. Je vous connais. Hein. Laissez les tableaux chez moi tranquille. du coup alors attendez, bougez pas. Il y en a un qui peut s'occuper du jardin.
Peut-être remettre de l'eau au jardin, je pense que... Ah, quoique, l'eau, on n'est pas si dégueu. Ah, quoique, si. S'il manque de l'eau à quelques endroits, peut-être du fertilisant. Il faudra peut-être recharger en fertilisant aussi. S'il y en a un qui peut s'occuper de ça... Je vous laisse autonome, hein. Je désigne pas à dire « toi, tu fais ça, toi, tu fais ça ». Il y a assez de tracteurs, normalement, pour faire le taf. Voilà. Moi, je vais me taper la mission de désherbage. Voilà, ça va être marrant. Oui, fais-toi plaisir. Ah bah, je l'ai pris, autant le faire. Ils m'ont pas mis de masse avec ça, là. Je vais partir en sucette avec le truc, là. Prends-toi le... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon, ça va. Impeccable. T'as qu'à prendre la... Attends. La chaise avant sur le Val. J'ai une connerie à faire. J'ai une connerie à faire. Ça va, Anthony? Oui, oui, excuse. T'as bien... Non, non, t'as bien mangé à la cantine comparé à moi, t'as vu? Ah oui, t'as... ah oui, là, il y a une petite différence. Ouais. T'as l'air bien gros. De toute façon, pour le crédit, on change pas une équipe qui gagne. C'est ça. On a jamais perdu jusqu'à maintenant. J'ai fait qu'une seule faillite en 10 ans. Mais franchement, j'ai pas à me plaindre. Peut-être que sur la co-farm, je ferai faillite, qui sait, on sait jamais. La difficulté est tellement élevée. Moi, j'y crois pas. Mais Ce serait con de faire faillite sur sa propre carte, quand même, sachant pas. Bah, ça veut dire que j'aurais réussi mon challenge. Hein. Mais ça peut arriver, hein, rigole pas, hein, ça pourrait arriver. Hein. Désherbage, le champ 8. Ça pourrait arriver parce que je démarre avec vraiment pas beaucoup d'argent et pas de matériel. Donc. Volvo obligatoire en plus, donc. Ça peut être marrant. Je suis où? Il est où, Agui? Il est là. Bonsoir. C'est James. Oh putain, il faut que je coupe mes notifs Discord, sinon ça va faire bipper que toute la soirée, ça va casser les couilles autant à moi qu'à vous. Donc hop, on va se mettre en mode streamer. Désolé de mon absence. Pas de problème. T'as un mot? T'as le mot des parents? Sinon on n'accepte pas. Je suis désolé. Alors malheureusement, le mot de lundi scolaire et le mot des parents, j'ai pas pu le faire. Ah. Désolé. Bah t'es viré, 3 jours. Allez hop, au revoir. En plus, c'est tellement ça, désolé, mais c'est... Pas de problème, je rigole. Bonsoir, non, possible de rejoindre? Oui, pas de souci. Tu fais point d'exclamation Discord, tu fais ta présentation, tu lis bien le règlement, hein, en faisant ta présentation. Hein, j'avais marre de me répéter, mais bon, je préfère vous le dire. Et si tu fais bien ta présentation, normalement, t'auras accès à Farming et tu regardes en serveur communautaire. Tu devrais nous voir et en même temps, tu devrais voir tous les accès au serveur commun avec le Hall Mode. Voilà. Tu peux rejoindre. La seule condition, c'est d'être majeur quand on est en live. Sinon, voilà. Donc, James, d'ailleurs, t'es pas majeur? Hein? Oui. Ah bon? Merde, je suis pas sûr. T'es sûr que t'es majeur? Sans une pièce d'identité. Je vais voir la pièce d'identité. Si je vois pas la pièce d'identité, ça marche pas. J'ai 19 ans. D'accord. T'as toutes tes dents? Oui. C'était pour la rime. Hein. Tu devais pas me le dire, toi, méchant. Te dire quoi? Discord! Non, Discord! Ça sera mieux Discord. Y a pas de E à Discord. Et un D, un T, c'est un S, c'est un R, pardon, je sais plus. Mais y a Scorpion qui te l'a mis, tu vois. Coucou Vincent, coucou à toi. Champ numéro 8. Génial. Le serveur communautaire pour moi est cassé. Non, il est pas cassé parce qu'on est tous dessus et ça fonctionne. Donc il faut juste pour que l'instant. T'attendes que ça pop parce que Farming est cassé. Ça on te l'accordera, Farming est pété. Dans les recharges de serveurs, ils mettent un peu longtemps à rafraîchir les listes. Je sais le boulet. Oh bah tu me connais depuis Piga, tu sais très bien que j'aime bien taquiner. Hein. Quand je vois alors, une connerie. Que le serveur co-farm. Alors le serveur co-farm, va falloir que je le ferme. Parce qu'il y a plus de, c'est plus la bonne carte. Mais attends un peu, tu vas voir que le Hofburgman va charger. À un moment donné, tu vas l'avoir. C'est ça le champ 8 là? Ah non, c'était pas prévu. Non, je suis d'accord, c'était pas prévu au programme. C'est... Ça vient de se décider là maintenant tout de suite en fait. C'était. T'avais dit de pas le prendre la mission, mais bon. Fitness sur ce 8. Que tu veux. Coucou, mais mission 2000 euros. Ça. Combien de location? Bonne question. Je sais pas. On va dire 300 euros de location, je pense. Ouais. Ah, t'as peut-être pas fait la mage, oui, bien vu, James. T'as peut-être pas fait la mage. T'es en 8.2? Oui. Ouais. Ouais, sûr. Oh, mais je vais mourir. Bah, commence. Pas, hein. Ah, ouais, faut que je recommence quelque part. Attends, je switch. Un point 8.2. Dans le champ 13, ça sert à rien de faire des. C'est pas la peine de faire des endroits.
Allez, on se travaille, on se motive. Ouais, y a pas de problème. T'es... Ouais, bah. A peut-être pas fait la mise à jour. Ouais, je sais pas, non. Non, je pense que c'est juste les la recherche farming qui dans déconne. Dans le 25, il faut faire des andins. Dans le 25, quoi, tu peux faire des andins, c'est des boîtes d'or ébanées. Ok. Oh, ça va être la misère à faire. T'es sûr que c'est le champ 8 là, on est d'accord, c'est le champ 8. En plus, y a pas de puissance là, je suis en manuel avec un Valtra de ouf là. Allez, passe la troisième. Allez, tu peux le faire, petit Valtra, tu peux le faire. Ouais, mais ma faucheuse, elle fait pas les andins, malheureusement. Le dos droit, ça y est, t'as vu, j'ai remis le dos droit, ouais. T'as vu ? Bonjour, Oula. Alors, attends, je vais essayer de prononcer. Inspiel photographe. J'espère que je le prononce bien. J'ai essayé de faire une incantation Harry Potter, tu vois. Comment tu vas ? Installe-toi confortablement. On fait un peu d'humour ici, j'espère que tu le prendras pas mal. Tiens, il va falloir l'endainer parce que ma faucheuse fait pas les andins. Ah bah voilà. C'est nouveau ça, quand tu passes un coup de Sarkless dans l'herbe, ça vire l'herbe. C'est un nouveau bug ça, fais voir. C'est pété. Regarde, regardez-moi ça, regardez-moi ce beau bug. Ouais, je passe du désherbant, ça désherbe. Impeccable. Oh putain, ouais, ça sent le truc bien ça. Ça sent le truc de la mâche qui marche bien ça. La texture du foin, ah c'est possible. Ou c'est juste pour la carte. Y en a un qui pourra tester de faner la paille si ça marche encore, ils vont peut-être corriger, enfin. Enfin j'espère du moins. Non ça va pas être marrant. J'ai mis sur place. Bah tu penses à le couper avant. Salut Monkey. Très bien, merci toi, parfait. Bah parfait, t'as vu, au calme, impeccable. Ça va bien la forme. Mon petit chocolat. Je me suis pris une mission, tu vois, je me suis tiré une balle dans le pied directement. C'est pas j'ai voulu faire le malin, tu vois. Je me suis dit je vais aider les gars, je vais essayer de bosser un minimum. Et tu vois, j'arrive, bah, je me tape le champ 8 en désherbage avec un Valtra en manuel. J'ai essayé de faire le malin, mais du coup... Tiens, tout petit peu grand. Hein, tout petit peu grand. Mais c'est pas grave. J'ai des esclaves, on fera des passations de pouvoir. De temps en temps. Non ? Non. Non, j'ai pas le droit ? Non, tu te débrouilles. Oh putain. Tu t'es foutu dans la merde tout seul. Oh putain. Vous êtes méchant avec moi. Je vous aime pas. Personne n'en veut du Valtra. Ah bah ça, je te l'accorde que le Valtra, celui-là, en manuel, il est horrible. Enfin, il a trop de saccades. En fait, en manuel, ils auraient pu arranger le problème des saccades, quoi. C'est une boîte auto à l'ancienne en double débrayage. Et tu changes 4 leviers pour arriver à passer une vitesse. Les anciens se reconnaîtront le problème. Oh, purée, j'arrive et le patron, il bosse. T'es malade, patron ? Oui, je suis malade. Oui. J'étais malade déjà hier. Et d'ailleurs, Georges, merci. Je t'ai pas vu hier parce que t'étais pas là. Mais je tiens à te tenir au courant. J'ai reçu le Choco Chino. J'ai ouvert la boîte. Voilà, il est déjà tapé dedans. Il a déjà une boîte de vide. Non, il y a une boîte, bon elle est à moitié, hein. Je te cache pas, elle est à moitié. Ça a fait toute ma soirée d'hier, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris du Chocochino que merci beaucoup pour la commande. Je soigne au Chocochino d'ailleurs. J'ai eu au Chocochino. Bon bah, les serveurs de farming ne me veulent pas. Ils te veulent pas ? Alors, redonne-moi la manip, t'as bien les mods, on est d'accord ? Oui. Dans tes paramètres de recherche, t'es bien sur Hofbergman. Sur les cartes. Tu vois, ça permet de filtrer et d'éviter à farming de pédaler dans tous les sens. Non, c'est bon. Ah, ça y est, tu vois. Il a fini par pop. Ah, tu vois. Shady, c'est farming dans les recherches de serveurs, les gars, prenez patience. Des fois, ça prend du temps. Voilà. Prends le pulvé à la place. Ah, non, par contre, je peux prendre un gars. Il y a quelqu'un qui fout rien ? Ah, il va pas se dénoncer. Est-ce que quelqu'un n'est pas occupé pour le moment ? C'est mieux de dire comme ça. Il y a quelqu'un qui arrive là d'ailleurs. Parce qu'au pire, il peut prendre le pulvé désherbant et venir me filer un coup de main. Je sais pas si ça marche. Il faudra qu'on regarde si ça marche. Georges, il est sur le live du patron. Ça peut être sympa. Bannir, une action à jeu. Interdit de larguer le champ 8 aux esclaves. Ah bah je. C'est mon enfoiré. Non mais vous êtes méchant. Alors j'ai pas dit que je le larguerais. Je vais rester dessus et bosser. J'ai demandé un coup de main. Voilà. Donc ça c'est autorisation. Il faut que j'enlève cette commande là. Vous allez me troller encore pendant 40 ans avec. Bonsoir monsieur Slooky. Bonsoir. Oui on a pas payé Streamlab tantôt. Dans le 1000 bordereur. Ah ouais là il m'a pas loupé le genre. Je sais pas pourquoi j'ai foutu modérateur. J'aurais dû le virer aussi. Les plus méchants avec moi, de toute façon, c'est toujours mes modos, je sais pas pourquoi.
sont méchants. Ils sont tous méchants. Ils veulent... Ah oui, ils me veulent du bien, ouais. Pas le droit de le donner à les esclaves, tu bosses, espèce de feignasse. T'inquiète, j'arrive après, donc je vais voir ça, on va se voir. Allez, zou. Tout. Vous êtes prêts? On fait du désherbage. Sur le champ 8. On s'amuse. Mais ça le faisait pas avant, là, quand tu passais là-haut, ça virait pas l'herbe que t'avais sur le côté. C'est nouveau, ça, c'est du patch 8.2, là. Est-ce qu'il y en a qui ont joué sur le 8.2 et qui peuvent me répertorier tous les bugs que vous avez pu voir? Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé la FS22, j'étais pas là cet après-midi. Ils ont peut-être pas fait l'état de tous les bugs qu'il peut y avoir aussi. Et je serais curieux de savoir encore qu'est-ce qui a pété, tu sais. Oh, t'inquiète pas, on va le découvrir. Oh bah oui, ça c'est sûr. Tu vas découvrir si tu prends des missions un peu chelou. Ouais. Tu finis le chant, t'auras un Kinder. Bon, alors je veux un Kinder Country, s'il te plaît. Parce que si j'ai avec pas de Kinder ou Country. La surprise. Bah avec la surprise. Bah le Country, il a pas de surprise. Oui, non, c'est mais. C'est la tablette non connectée, ça. De quoi? Le Kinder Country. Ah bon? T'as j'ai pas la ref. Non, j'ai. Franchement, j'ai pas la ref. T'as vu la pub? Tu regarderas la pub. Ah, c'est mort, Aurel. C'est mort, Aurel. Ah non, ça passe pas. Ah non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Les gars, ayez pitié. Les pitiés de l'audience, des mecs qui me regardent, t'sais. Ils vont me regarder faire un chant toute la soirée à cause de vous, là. Non, ça passera pas. C'est mort. Coucou, c'est moi. Coucou, licorne. Elle va bien? Alors attends, putain, du coup, je fais des conneries. Non, et Aurel, il est en train de me bannir une action en jeu. Demander de l'aide aux esclaves. Mais je demanderai pas de l'aide à les esclaves, je demanderai de l'aide à mon copain. C'est un copain. C'est mon ami. Mon ami, c'est lui. Oh oui, je suis son ami. Faudra que l'amour confirme. Le quoi? Les pandas, il est où? À la ferme. Oui, mais... Attends, je suis en écho, toi. Il est dans la ferme. Attends, bouge pas. Tu sais quoi? Tu vas prendre ma sarcleuse et je vais aller chercher les pandas. Bouge pas, j'arrive. Il est malin. Il est malin, Guy. Je suis pas malin. Attends, je cherche la voix. Elle est où, ma petite voix? Elle est là. James. Hop, tac, voilà. Bouge pas, vas-y. Prends la sarcleuse. J'arrive avec les pandas. Ça m'a été envoyé dans le tir. Va t'aider avec tes pandeurs. Tu tapes le champ de patates? Non. Non, je suis déjà sur un désherbage assez compliqué. Bannir une action, interdire de recruter ton ami. Les enfoirés. C'est mon pote! Non, bah si, les gars, on va le faire à deux. Ils vont tous dépenser les points de chaîne. Vous êtes des méchants? Tu vas vraiment faire tout seul le chant, en fait. Attends, déjà, il faut que je retrouve le gilet. Je sais même pas où il est. Je parie qu'il est encore au magasin, le gilet, qu'il y a personne qui l'a ramené. Non, vous l'avez ramené hier. Le magasin, il est à la ferme. Il est dans la stable de la vache. Riverview Farm. Depuis la mise à jour, arrive plus à nourrir les animaux. Ah. Oh, putain. Ça sent la connerie, ça. Aux chevaux. Ah, il est aux chevaux. Ça tombe bien, je sais pas où sont les chevaux. Il est pas aux chevaux, il est aux vaches. Aux vaches? Aux cochons, pardon. Attends, c'est quoi le bâtiment, la stabule qu'on a en plein milieu de la ferme? Les vaches, les veaux, les cochons, les chevaux, les moutons. La stabule qui est en plein milieu de la ferme en face des... Il est là, je viens de le voir, c'est bon. Voilà. Je viens de le voir, on est passé devant. Là où il y a le JD. Je m'en fous, je suis riche, je peux dépenser. Ouais, surtout qu'il doit pas avoir le cooldown... dans le bannière une action en jeu, t'sais. J'ai dû oublier de mettre le cooldown. Mais c'est pas grave, je prends mon JD. Veau, vache, cochon, va falloir se décider à un moment, on est d'accord. Voilà. Là c'est le fin de quota. Oui, mais je veux le JD pour le... les pandeurs, c'est ça que je voulais. Pour le désherbage. C'est ça que je voulais. Oui. Hop là. Et vous, votre pressage, ça se passe comment? Ça avance? Bien. On n'oublie pas de faire des petites balles, hein, pour récupérer les rêves. Je vais en donner, moi. Nice. Donc celui qui va être à la presse, il nous fait des toutes petites balles. Pour la mission. Histoire de récupérer le rab après à la fin.
Parce que sachez que nous on a découvert un truc qui a été dit par un viewer, mais si dans les missions de fauchage ou d'enrubanage vous faites des petites balles, en fait il vous restera plus de rab à la fin que si vous faites des grosses. Donc n'hésitez pas à faire des 180. Voilà. Ça peut être pas mal. Putain, il y a pas de désherbant dans le... C'est qui laisse le matériel vide là? Hein? J'arrive au champ, c'est vide. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Voyons. Sympa. On a jamais dit que le... Après, on a jamais dit que le PV était rempli. Ouais, ouais. On a du de l'herbicide à la ferme, non, ou pas? Non, non, faut que je retourne au magasin en plus. Oui. Oui. Vous avez décidé de me promener toute la soirée, quoi. C'est ça. Ah, tu t'es décidé de te promener toute la soirée. D'accord. Bah, est-ce que ça changeait réellement que d'habitude? Non. Ah, bah voilà. Oui. C'est vrai. On est d'accord. On connaît tout bien. Hein. Voilà, donc... Pourquoi changer tes habitudes dans tous les cas? Il y a rien. Toute la soirée. Parce qu'on l'aime et qu'on sait aussi, qu'on est aussi torsionnaire avec le patron, lol. Ouais, c'est que vous avez la possibilité d'être torsionnaire vu que moi je suis torsionnaire avec mes esclaves, c'est ça? Du coup, partage de rôle, quoi. Chacun son tour. On peut vendre. Vous vengez mes esclaves. Ah bah. Bon, ça va. Je l'accepte. Ah, mon cœur, est-ce que t'es toujours sur le live ou pas? Non, elle est chez moi, ta femme. Ah, bah pas sur le mien parce que faut que tu testes. Pour voir si ça fonctionne. Et pour une fois, il a pas d'esclave autorisé. Ouais, j'avoue. Salut Corax! Comment il va le Corax? Est-ce que c'est la forme? J'ai Hello, tu n'as pas plus gros pour traîner la faneuse? Non. Et j'ai pris le premier tracteur dans lequel j'ai popé. Il a pris 380 chevaux ou 470 chevaux pour traîner le truc, quoi. Pareil, moi j'en donne avec 400 chevaux, donc ça va aller, je pense. Oh putain! J'ai popé dans le classe. J'ai dit bon, bah pourquoi pas. Et moi je suis en pulvérisateur avec le Fendt à 90 chevaux, quoi. Pas mal. T'as vu le prix du gasoil? Non. T'as choisi. C'est pas moi qui paye. D'ailleurs, petite information, les gars, n'hésitez pas à prendre le gasoil avant mercredi parce que en IRL, je parle. En réel, chez vous. Parce que va reprendre 30 centimes à partir de mercredi. Je vous donne l'info, le petit tips comme ça. Fais point d'exclamation. N'hésitez pas à refaire le plein avant. Bah, les points d'exclamation. Les commandes que j'ai fait tantôt, s'il te plaît. Point d'exclamation totale. Ouais, non. Point d'exclamation totale. Si, on devrait faire une commande ça. Ça serait génial. Ça serait génial. Point d'exclamation total. Bah non, c'est pas en texte. Va faire le plein. Ouais, bah voilà, tu vois, Soussou. Imaginatif ce Soussou, je l'ai dit. Je l'adore. Je l'adore. Faut l'embaucher. Hein. Ah bah c'est pour ça que je l'ai embauché. Hein. C'est pour ça que c'est devenu un esclave. Alors on va faire un contrat. Oui, monsieur. Un contrat rémunéré. Alors rémunéré, je sais pas. Je peux te donner un pourcentage. Je peux essayer de te donner un pourcentage sur le pourcentage que je gagne pas. Un point d'exclamation diesel, GM, je l'ai pas fait cet après-midi. Mercredi, il sera à 2,30€. Ouais, mais t'es en région parisienne. Enfin, moi, chez moi, en ce moment, il est à 1,70€ et normalement, il remonte à 1,90€ pour. Même presque 2€ pour mercredi. C'est pour ça que je vous tiens au courant parce que j'ai eu l'info et que voilà, on sait jamais. S'il y en a un qui a pas eu l'info, si je peux relayer une info où ça vous fera économiser de l'argent pour dépenser plus de subs et plus de bits. Hein, pour ma chaîne, ça sera parfait. Non, je déconne. Ouais, non, les dons, c'est pas des dons qui sont plus rentables pour toi? Ah si, moi les dons sont plus rentables, beaucoup plus rentables que... Bah oui, si, la magie pour moi, c'est les dons, ça c'est sûr. Tu veux me faire plaisir? Tu lâches du don. Pas de problème. Après, les beats et les subs, ça fait plaisir. Hein. C'est juste que y a Twitch qui se sert. Bon, ça va, tes commandes? Tu peux pas faire ça en off, toi? Tu l'allumes le live en même temps que moi, juste pour faire ses commandes. Point ma bite, voilà, point d'exclamation ma bite. Le truc c'est qu'il y a, il y a un certain nombre minimum quand même à respecter dans le texte. Et puis, ah bon, merde. Ah oui, je comprends. Je comprends. Ça faisait trop de lettres. Non mais je comprends tout à fait. Non, ça en faisait pas assez justement. Il y avait pas assez de lettres minimum. Il est le petit con ce mec. 300, 400 poneys pour faucher en déné, il y a vraiment qui ont besoin de compenser quelque chose. Justement, bah, on pas une chance. Fais point d'exclamation schizophobe. Il m'a mis ma chaîne. Oui. Oh là là. Il y a une commande. Moi, c'est quoi? Je l'ai pas mis encore la tienne. J'ai mis Pepon, j'ai mis VG. Je sais pas si j'ai mis Chris. Si. Pas l'exclamation CGT. T'as même mis le message qu'avait mis Anto. Ah bon? T'es sûr? Parce que la phrase t'avait dit qu'elle était bien et tout ça. Il y en a un qui peut marquer point d'exclamation Chris dans mon chat. Quitte à être dans les contrôles de commande, autant que je contrôle aussi chez moi. Chris ou Chris? Non, avec un H, Aurel. C'est H, R, I, C. Là, c'est CRI. Point d'exclamation, CRI.
Ah bah si, putain, merde, il y a sa chaîne sur la mienne en commande. Putain, le con. Tu fais une erreur. Oui. Allez le voir, il est en live en ce moment là, il est en train de tester ses commandes. Allez voir la gueule du barbu là, c'est marrant. Et vous pouvez vous vous follow les gars si vous voulez, parce que comment vous dire que ça va être intéressant. Parce qu'il va être il fait des streams sur farming aussi, il fait pas mal de mayoff aussi en stream. Donc si vous avez envie de suivre les carrières en doublé, tu vois. Et merci pour le follow depuis 1960. Vous pouvez aller voir ce petit copain. Du coup, moi, je vois même pas où on en est en désherbage là. Allô, Houston, s'il vous plaît. Je ne vois pas l'herbe qu'il faut désherber. Mauvaise moi, herbe. J'ai l'air à voir aussi. Mais t'as rien fait, James. Et merci, Insbill photographe. Ah, merci pour le follow. Ah, tu l'as eu aussi, toi. Oui, je viens de l'avoir. Ah, vous n'avez pas accès à ce terrain. Et merci, Aurélien, pour les 100 bits. Oh, je ne peux pas le faire. Est-ce que ça marche au moins? Je vais regarder, mais... Non, ça marche pas. Je peux pas. Il est dégoûté. Ça me tue. On peut acheter une sarcleuse? De quoi, 38 ans? Bon. Bah, ça veut dire que je suis mais mort. Marcus. En fait. Salut, Pépon. Hello. Salut, bonsoir, le Québécois. You, James. Ouais, bah... Bonne soirée pour nous, bon après-midi pour toi. James, du coup, tu vas me ramener le Fent avec le JD. Et tu vas me laisser, du coup, je vais prendre ma punition de A à Z, hein, tant pis. Hein. Tant pis pour moi. Hier, ton pote. Mais c'est Pépon, ça. D'ailleurs, il y a sa commande aussi, normalement. Il y a sa commande. Ah, Pépon. Ah, tu fais de la pub pour Pépon aussi? Fais-en pas trop, après, il va passer au-dessus de nous, hein. Attention. Oui, alors avant que j'arrive à le faire passer au-dessus. Passez au-dessus de moi, les gars, je vous laisse la place et quand vous voulez. Sachant que la plupart de ceux qui sont sur mes streams, c'est ceux qui sont sur les tiens. C'est normal. Vu que plus de la moitié de mes follow viennent de chez vous. Vous avez la meilleure des communautés, c'est la mienne. C'est parfait, c'est la mienne. C'est... La meilleure communauté farming, c'est laquelle? On lève les bras, les gars. Allez hop là, vous êtes 80 dans le chat. Tous debout, on lève sur le canapé, c'est nous. Non, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui s'est levé. Oui, non, il y en a au moins un qui l'a fait. Allez patron, on respire, ça va bien se passer pour la mission. Ouais, bah. J'ai arrêté de respirer. Je vais voir si je peux pas mourir en live. Ça se passera bien. Bah, les pauvres, ils ont perdu tout leur point de chaîne de ceux qui avaient parlé que t'allais mourir hier soir. Ah bah j'étais à deux doigts. Hein. Ils auraient failli gagner de l'argent. Je retourne voir ce qu'ils ont. Ok, pas de soucis depuis. Synchro. Synchro. Elle est parfaite là. Elle est parfaite la synchro. Du coup, je vais vérifier mon truc parce que 8, 31%, ouais. Le problème, c'est qu'on voit rien. Pour le follow, le dent du 06. Il y en a un qui a une technique pour voir à peu près niveau désherbant comment tu passes là, désherbage. Comment... Ouais, tu fais une menu start à chaque fois. Oh là là. Quelle idée à la con. Quelle idée à la con, vivement demain. Réfléchis. Pourquoi on n'est pas parti sur le platinium, tu sais? Putain, on aurait dû partir sur le platinium. Oh, Le Ranjou, le pilier. Là où tu peux. Là où tu l'as pris. Là où il y a de la place. C'est pas lui qui l'a pris, c'est moi. Donc il va pas savoir où. Vue inter. Là où tu veux. Là où tu crois qu'en vue inter, tu peux voir. Je vois pas les herbes. Non. Je vois vraiment pas. Non, plus. Je regarde un peu. Et d'ailleurs, avec la sortie du Platinum, les gars, si vous voulez, j'ai une bonne promo pour vous, si vous l'avez pas encore pris. J'ai une bête de promo qu'à vous faire partager. J'avais zappé, mais il faut que je vous la redonne. Elle est où? Instant Gaming. Elle est sur mon Discord depuis une semaine. Et c'est vrai que je voulais vous la partager sur le chat, mais j'ai complètement zappé. Ah, bravo. Ah bah ouais. Tac. Si vous voulez aller le prendre à pas cher, n'hésitez pas à prendre ce lien-là. Et vous allez le récupérer pour 14 balles, 13 balles, 13 balles je crois si je me rappelle bien. Au lieu de 19 euros chez Giant, voilà, n'hésitez pas. Je l'ai payé 13 moi. 13 balles. Ouais c'est 13 balles, ouais c'est ça, ouais 13 balles. Sans ton lien. Oh bah toi t'es méchant. Alors, toi t'es méchant, toi t'es le pire toi. Bah toi t'auras pas de cadeau à Noël pour la peine. Non, parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à ces liens que je partage que bah, je puisse faire des cadeaux aux viewers. Moi
c'est grâce à ton lien que j'ai eu. D'ailleurs, profitez-en. Hein. Prenez avec le lien parce que je suis en train de clôturer. Ça sera le dernier lien promotionnel que je vous envoie. Merci pour le follow. Et je clôture les cartes cadeaux pour Noël. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a un budget de 170 euros pour Noël. J'ai 170 euros de clés à vous offrir. Donc voilà. Grâce à vous, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je redistribue la richesse. Parce que je suis bien aligné. Ouais, ça a l'air bien. Je vais me faire chier avec ce champ. J'ai le season pass. Tu as le GPS sur le tracteur. Je sais pas m'en servir. Je te promets, GM. Il m'a mis. Alors, le VCA, je pouvais m'en servir sans problème. Ils m'ont mis le guidon and steering là. Déjà, le Valtra, il doit pas y être équipé. Non, déjà, ouais. Si, il est équipé. Je suis con parce qu'il y a le goût. Mais je sais pas m'en servir. Et si, vu qu'il n'y a pas Anto, il est pas là pour m'expliquer. Je crois que c'est contrôle. Il faut faire un truc de ouf. Mais je vais essayer de remettre le VCA avec le précision. On va regarder si ça fonctionne. Le VCA, il était bien plus facile. T'appuyais sur deux touches et puis voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, le guidon and steering, j'ai jamais apprécié. Non plus. C'est pour ça que j'utilise pas les chinois. Mais bon, pour tous ceux qui n'ont pas le season pass, si vous voulez prendre le lien Instant Gaming, n'hésitez pas. Ça rajoutera un portefeuille d'action pour Noël. Voilà. Donc si vous divisez 170 euros par 5, vous aurez le nombre de clés que je vais vous offrir pour Noël. Pour le moment. Parce que si vous continuez à prendre sur les liens promotionnels et tout ça jusqu'à décembre, bah peut-être que l'enveloppe sera plus grosse. On sait jamais, on peut peut-être arriver à 200 euros. Hein. Ça peut arriver. Hein. Bonsoir patron, quel est ton avis sur le DLC Platy qui va sortir? Bah alors il est sorti déjà pour ceux qui ont précommandé. Parce que je l'ai. Mais on le fait demain et je me suis pas spoilé. Donc mon avis, tu l'auras demain tonton. Malheureusement, je l'ai pas encore fait, tu vois. Je commence à tourner mes vidéos tuto demain dessus. Là, j'ai fait que la vidéo Actu News, en fait, que je vous avais présentée. Et c'est tout ce que je sais sur le Platinum, mais il a pas l'air dégueulasse. Il a l'air propre. Maintenant, à voir s'il est buggé. Si on gagne de l'argent. On verra. Bonjour, mon pépon. On verra. Mais là, pour l'instant, je peux pas vraiment te donner d'avis général. J'ai pas mis les pieds dedans encore. Moi non plus, je n'arrive pas à m'en servir du GPS. Bah, il faut prendre le VCA. Le VCA, vous allez... VCA, je pense que tout le monde peut y arriver facilement en fait parce que c'est deux boutons. Alors que le guidon de steering, il faut régler largeur automatique, le machin, tatati, tatata, c'est la merde. De toute façon, je peux être que ton abonné préféré, je suis seul abonné. Et merci pour les 10 bits, Laurie, parce que t'es ma meilleure amie. Pardon. Et merci pour les 10 bits, mon cœur. Après, si tu veux, tonton, si tu veux te spoiler un peu, soit t'attends demain soir, soit tu vas voir Yanka, il est en train de le faire, le platine. Il est en train de le faire. Et merci, Jess, pour les 11 bits. Moi aussi, je suis gros en même temps, donc ça passe beaucoup. J'avoue, il y a deux Xerion dans le même champ. Mais au pire, oui, si tu veux une première idée, tonton, tu peux aller voir Yanka, il est en train de le streamer, le platine. Tu peux aller voir si tu veux. Yanka, c'est le seul gars qui fait le platinum en avance où je lui fais de la pub parce que ça me dérange pas du tout parce que c'est un gars bien. Les autres, ils sont tous des chiens. Et lui, j'aime bien. Il est gentil. Pas normal, c'est un breton. Un breton. Bah l'autre aussi, c'est un breton et pourtant c'est un petit con, hein. Pardon, excusez-moi. Ça m'a échappé. Guidon and steering plus pro speed, c'est un vrai bonheur. Mais ouais, ça demande un temps d'adaptation. Alors oui, c'est possible, hein. C'est juste que là, moi, j'ai la flemme. J'ai la flemme complète de l'apprendre. Hein. Je pourrais essayer, hein. Je crois que c'est CTRL A, CTRL S, CTRL C. Non, loupé. Ah bah non. Oh putain, j'ai fait des conneries. J'ai lâché le truc. Non, c'était pas ça. Tu vois, c'était pas les bonnes touches. Non, c'était Alt C en plus, c'est marqué en gros sur le truc. Il est mauvais ce streamer. Il est très mauvais. Ah non, énergie, il est pas breton. Hein. Alt C. Encore. Voilà. Si je fais ça. Je reviens de test. Et normalement c'est Alt A. Non, c'est toujours pas Alt A. C'est Alt Z alors, je crois. Je sais plus c'est quoi pour ouvrir le menu du. Il y en a un steering. Ah non, ça c'est la capture d'écran. Loupé, ça c'est Nvidia. Bah je sais même pas, tu vois.
force de faire toutes les touches, tu vas tomber sur la bonne. Mais oui, il va tomber sur la bonne. D'abord créer ou générer, activer la direction du guidage. Bah tu vois, je sais même pas. Je sais vraiment même pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas, enfin je l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Que du temps s'avère. Alt H. Ah, c'est possible. Je l'ai vu se redresser. Oh, le guidon en steering, il tourne tout seul? Non, il tourne pas tout seul, le guidon en steering. J'ai fait un tour sur le lien, je trouve pas le Platinum sur Xbox. Tant pis, je verrai ça demain. Sur Xbox, peut-être sur un débat. Au pire, tu reprends... c'est pareil, si vous voulez des cartes PSN ou Xbox, vu que vous voulez acheter un DLC console, n'hésitez pas à aller sur Eneba. En ce moment, ils font des promos de ouf, surtout sur PS. J'ai vu des cartes cadeaux à 40€ poupées à 25 balles. Donc ça peut être intéressant d'aller voir sur Eneba. Vous faites point d'exclamation Eneba dans le chat. Normalement, ça doit pouper. Eneba. Hop. Ah non, ça pop pas. Désolé, vous êtes le maillon faible, ça ne pop pas. Oh, c'est pas grave, je vais vous donner un lien, bougez pas. Blop. Il est là, bien. Non, CTRL H chez moi. Ah, CTRL H. Ouais, là j'ai mis l'ouvrier, c'est bien ce que je pensais. Allez voir sur Eneba pour ceux qui sont sur console. Je pense que vous ferez plaisir. Du coup, oui, là j'ai mis l'ouvrier. Donc A, 1, up, V. Et là tu me dis CTRL H. Ah, pour moi, j'ai remis l'ouvrier. Hein. Non, Alt C. Tu... Attends, oh là les gars. Activer le guidon synthérique. Alt C. CTRL plus S pour ouvrir l'interface guidon synthérique. Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais. C'est CTRL S. Ah, voilà. Activer le guidage automatique, oui. Aligné sur l'angle du terrain, non. Aversion, décalage, ok. Mode Fourier, on s'en fout. Aligné, on s'en fout. Normalement, je t'ai sorti les bottes des endroits où tu dois en dénier. Enfin, récupérer les portes. On est en 9 mètres. Tiens. Merci. Ouais, bah, qui reste. AB, ligne, AB. Ok. Track name, retour. Là, on est d'accord. Tu arrives à faire 35% avec tout ce qui reste. Ça oui, oui. Donc oui, là, tu m'as dit Alt C pour l'activer. Donc du coup là je suis en guidance. Non, je suis pas en guidance. En plus je fonce. Voilà. Salut Benoît, salut salut. Alors attends, parce que je fonce mais outillage levé, tu sais. Ouais. C'est utile l'outillage levé. Alt C pour activer le guidance entérique. OK. Ben j'ai fait Alt C. Donc là, tu vas me dire qu'il s'aligne normalement. Parce que là, je suis pas sûr que. Ouais, si je fais les trucs correctement. D'accord. Il va avoir une synchro. Ouais, ouais, ça y est, c'est bon. Ouais. On l'a eu. En plein dedans, là. Et là, du coup, si je fais le virage. Hop, il est censé se raligner sur la ligne qui va être en face, c'est ça? Donc là, si je fais ça. Oh, il galère en plus, sa mère. Ah oui, il se raligne! Ah ouais! Ok! Bah c'est cool, c'est un café! Allez, Zou, Choco Chino pour le patron! Il a trouvé comment marcher le guidon steering, c'est pas magique ça? Ouais, mais il faut qu'il sache s'en servir surtout. Ça y est, c'est bon! Alt C, tu tournes, 80, tu fais un 180, le tracteur se rallie, c'est nickel. Non, c'est pas mal, j'ai trouvé. Ça, et tu me disais quoi comme autre on mode qui pouvait être sympa? Je l'ai pas vu. Le maïs plus, non? Non, c'est pas le maïs plus, je pense pas. C'était quoi que tu me parlais d'autre? Le guide dance, c'est... J'ai perdu le nom. J'ai perdu vraiment le nom, je l'ai pas vu. J'ai pas retenu, pardon. Salut Bob! Est-ce que c'est la forme? Et c'est vrai que c'est sympa, oh, j'aime bien. Ah oui, des fois, il y a des petites sauvegardes qui passent comme ça et ça a tendance à piquer, tu sais. Pro Speed. Et du coup, le Pro Speed, ça donne quoi de plus? Ah, pourquoi il récupère pas la ligne là? Il devrait récupérer la ligne, non? Ah, pour pas être plus droit, t'es pas. Là, je suis aligné, t'es en train de te foutre de ma gueule, je suis pas aligné. Là. Allez, ça s'aligne pas, chef! Ça s'aligne pas!
Je croyais que ça s'alignait, mais ça s'aligne pas vraiment. Hein. Il y a une erreur là, hein, pas trop long. La forme et toi, hein. T'as l'air d'aller un peu mieux. Je tousse moins qu'hier, ouais, ça on est d'accord. Mais ça veut pas dire que ça va mieux. Je vous dis, il y a un jour sans, un jour avec. T'es. Et là, on est sur un jour avec. Voilà, je suis pas encore trop mal, tu vois. Un peu de fièvre, mais ça va. Malheureusement, c'est comme ça. Le pro speed, je le connais pas du tout. C'est pareil, ça c'est un mode que j'ai pas surveillé. Y en a un de vous qui connaît, les gars, pro speed? Non? Ça dit quelque chose? Je l'ai vu passer dans les modes. Ouais, j'ai jamais testé. Je sais pas, je connais pas. Sinon, je vous poserai pas la question. Pour moi, pro speed, c'est le nom d'une entreprise sur ETS. Alors non, on n'est pas sur Eurotruck, c'est pas ça, hein, je l'accorde. C'est pas ça du tout même. C'est le oh, j'en oublie des bouts quoi, j'en oublie des micro-bouts qui vont me faire chier la fin. Je suis parti pressé 25. Au 25 moi. Vous pouvez venir avec la rubaneuse. J'arrive. Il y a une mission de. Vous avez vu les petites fourmis, elles bossent bien. C'est pour en faire 180, les 80 à l'époque. Ouais. Ah ouais. Sérieux? Non. Les trains de tonnes pour faire les passages de pulvée. Putain, faut que je regarde ça de plus près. C'est surtout si tu veux créer lors des semis des passages de traitement, ouais. Ouais, ouais, bah ouais, ça me paraît, ouais, ça me paraît intéressant. Ça me paraît super intéressant. Je vais regarder de plus près, merci pour l'info. Pro speed. Et on remettra le VCA parce que j'ai toujours pas compris comment marchait le truc. Parce que là, Alt-C, je suis d'accord, je suis activé. Alt-S, j'ai fait l'interface, mais pourquoi il se raligne pas? Quel bouton pour aligner le personnage là? Parce qu'il veut pas aligner le copain. Alt-C. Hop, j'ai activé. Ou c'est à chaque bout qu'il le raligne? Non. Bon, moi j'ai l'impression qu'il fait ce qu'il a envie là. Parce que là je suis parti. Ouais, je suis parti légèrement trop à droite en plus. Eh, hey, merci pour le Prime, ça fait plaisir, il vient d'arriver et tout, il claque le Prime, ça fait, franchement, merci du soutien, merci à la chaîne, merci beaucoup, merci énormément. T'es un bon viewer, merci beaucoup, ça fait plaisir. Hop là, allez, on lance. Mais le ProSpeed, ouais, je regardais de plus près, ça peut être intéressant pour la Crew Farm, démarrage de carrière. D'ailleurs, tant qu'on est là, on peut discuter 5 minutes, le Crew Farm, vous voudrez avoir quel mode dessus? Vous allez jouer avec quel mode? Voilà, que je reprenne un peu le truc. Et quel mode que vous aimeriez avoir dans la carrière partir de zéro, que je vais commencer en mode comme si c'était celle de Ravenport du 19, pour ceux qui me connaissent depuis si longtemps que ça. Cette époque-là, ouais. Depuis cette époque-là, pour ceux qui me connaissent de cette époque-là, qu'est-ce que vous aimeriez de se mettre? Il ne se raligne pas tout seul. Expliquer le fonctionnement du guidon steering juste en écrit, c'est trop complexe. Ah, on est d'accord. Alors que le VCA, c'est 3 touches. Alt S, Alt A. Et la troisième, c'est entrée. On est d'accord que le guidon, c'est les plus compliqués. Après, oui, je dis pas qu'il fonctionne pas. Hein. Je dis qu'il fonctionne très bien. John Deere du classe. Alors, ça tombe bien, c'est prévu au programme. Faut déterminer le point B dans l'interface, appuyer sur G pour lancer le guidon. Ah ouais. C'est compliqué, hein, votre truc. Hein. Donc si je fais Alt-C, c'est l'interface. Non, Alt-S alors. Non, Ctrl-S. On va y arriver. Hein. Pourquoi il n'y a plus rien qui marche? Alt-C pour l'activer. Ctrl-S. Et faut mettre la... Faut déterminer le point B. C'est ça que tu viens de me dire. Hein. Ah, tu fais pas ça comme ça. Tu mets ta petite carte, puis tu prends... le point de repère à gauche. Petite carte, tu mets le point de repère à gauche. Ok. Ouais, cette carte-là, la petite. La petite, la minimap, là. Regarde, ouais, à gauche, là, 180. Oh, 180. Putain. Ok. Tiens ce chiffre-là. Retourne dans mon interface, ça y est, je suis dedans. Mon interface. Ouais. Où est-ce que tu as fait le point tantôt. Donc 180, je marque 180. Ouais, non. Monte en haut, où le A plus B, va à la flèche à droite. Yes. A plus B, droite, ouais. Non, A plus B. Pas A, B, ligne. A plus B. Ouais. Ok, ici. B sur A. En bas. Non, on remet les comme il était. Déterminé A. Point A. Ouais. Non.
On y a, on y arrive. Arrête de jouer. on y est. J'ai trouvé. C'est bon. Là, on n'est pas à votre place. A plus B. A plus B. Un coup seulement. A plus B. Déterminé A. Ça y est, c'est bon. Non, pourquoi tu détermines ton A? Ah bon, pardon. Je voulais essayer d'aller avec le mode. Est-ce que tu m'écoutes? J'essaye, mais je comprends rien. Je suis perdu. Chef, je suis perdu. A plus B. Oui, là, A plus B. Type A plus B. C'est ça. Une fois à droite. Je vais à droite. Alors A plus B. Une fois à droite. Oui, là, je suppose ici, là, on est d'accord. La flèche de droite une fois cette semaine. Une fois droite. Orientation. Non. Ok. Si, c'est bon. Attends, il y a le décalage. Il y a le décalage de live. Ça va bien se passer. Bon, après ça. 500 points peut passer, je vais m'avoir de quoi après. Attends, j'ai décroché, je sais pas compris. Déterminé A. Dessus. Yeah. Voilà. Et après, c'est le numéro, 180. Là, ouais, 180. Et. Voilà, définir l'orientation. Ok. Complémentaire. Et. Ya. Yeah. Et là, il est en fonction. Tu auras juste à faire ton Alt C, puis il va. Tu vas voir apparaître tes lignes. Alt C. Retour. Alt C. Avoyer. Avoir rien, Patolo. Patolo, il n'y a pas de ligne, Patolo. Patolo, il y a problème. Ça fonctionne pas, Patolo. C'est pété, chef. Alt C, on est d'accord. Hein. Alt C, ça allume les voyants. Avance, mais tu t'as dit. Avance. Pardon, excuse-moi, j'avance. Oui, avance. Tout. Après ça, tu vas faire Alt X, puis là, il va allumer. Alt X. Alt X. Oh, j'ai entendu le bip. Et là, je mets le régulateur, et là, il va se guider tout seul. C'est ça? C'est ça, oui. Eh ben, mes petits frères, mes aïeux. C'est compliqué, hein. On y arrive, hein. Ça a pris le Québécois. Merci, voilà. Marcus, pour ce tuto Guide en Sterling. Versus Québécois. Merci beaucoup. Si tu veux avoir tes lignes, il faut que tu retournes dans tes paramètres, il faut que tu fasses apparaître. D'accord. Bah, ça tombe bien, je veux pas de ligne. Alors, comme ça, je suis pas adepte des lignes virtuelles dans le décor. Donc là, quand je vais faire demi-tour, ça va désactiver, c'est ça? Oui, quand... ça va le désactiver. Et je rappuie sur Alt X pour le réactiver, c'est ça? C'est exactement ça. Ah là, j'ai compris. J'ai pas compris pour le numéro, mais j'ai compris pour le reste. Nickel. J'ai pas compris l'orientation, mais... Est-ce que là, Marcus, il aura peut-être encore besoin de tes compétences. Ah, oh, besoin des lumières plus tard, mais pas tout de suite. Là, si je fais Alt X comme ça à l'arrache, hop, boum, il sera ligne. Ok, d'accord. Ouais, c'est nickel. D'accord, chef, c'est bon. Ça fonctionne. Nickel. Yes. Si ton type de guide est en orientation, tu peux définir un cap genre 270 ou 180. Ensuite, une fois que tu... c'est... Wow. Ensuite, une fois que tout est paramétré, Alt X pour activer le guide dans ce terrain et ton tracteur suivra le cap. Alt L pour afficher les lignes. Une fois au bout de champ, tu changeras de direction. Et une fois réaligné, tu referas Alt X et c'est reparti pour un nouveau tour. Je le lis parce que le gars, il s'est pas fait chier à écrire tout ça pour rien, tu vois. Au moins, je le lis, tu vois. Qui manquait de lumière d'allumer. Bonsoir Jérém, comment tu vas? Les jeux bien, bug vous YouTube. Vous pas avec l'Exarion. Ah bah non, l'Exarion c'était le cadeau d'hier. Ça. Coucou, je voulais savoir si tu étais d'accord si je présente ta nouvelle map en avance une fois terminée. J'ai une petite idée, une petite suggestion, j'aimerais avoir un avion R380. Enfin, en gros, un avion qui passe dans le ciel. Hein? Quoi? Très clair. Comment? A pas compris la question. Tu veux un avion sur la crew farm? Pourquoi faire? Surtout un 380. Et tu crois que tu vas transporter... On n'a pas fait d'aéroport. Hein. On a tu fait peux un... peut-être faire la ferme là-dedans. On a fait un hippodrome, mais on n'a pas fait d'aéroport. On va avoir toute la carte pour qu'il atterrisse déjà. Ça va être compliqué d'y mettre un aéroport à la crew farm. Pour la demande de visionnage en avance, enfin de l'avoir en avance,
Non, t'as vu en PLS. Je l'ai pas dit là. Je l'ai pas dit à Pépone. Pépone est en sueur. Pépone, nous faudrait un A380 avec une piste d'aéroport dans les avec deux coins de la map. Charles de Gaulle au milieu. Voilà. Ouais, t'oublies pas la tour de contrôle interactive. Et entre deux, tu nous mets des petits Cessna qui vont faire de l'épandage en grès directement sur la crew farm avec une nouvelle usine de prod. Voilà. On est dessus, t'inquiète. D'accord, c'est cool. Merci, Pépone. Oh putain. Non, juste de passage. Mais pourquoi tu veux des 380 sur la crew farm? Franchement, ça serait lourd en 3D à faire, même si c'est réalisable. Changer les montgolfières et les passer en, on va dire, en Boeing 380. Le problème, c'est qu'ils rouleraient pas vite. Enfin, ils voleraient pas vite parce que ça a du mal à rouler quand même. Mais en plus, je veux dire, ça serait hyper lourd pour la 3D. T'sais, c'est un truc, c'est une demande de ouf. Vraiment, c'est une demande de taré. T'sais. Après avoir la carte en avant-première, faut que tu m'envoies en MP ta chaîne. Déjà pour YouTube ou Twitch, faut savoir déjà pour lequel que c'est. Il faut que tu m'envoies en MP ta chaîne, quoi. Il faut qu'on en parle en MP, ça c'est de la négociation MP, ça. Faut signer le contrat, après. Faut signer le contrat de non-divulgation. Comme ça, si tu divulgues la carte avant que nous on la diffuse, et ben, comment te dire que je t'enlève femme, enfant, et si t'en as pas, je t'enlève ta console, ta play et tes parents. Voilà, donc... Il serait heureux pour les parents, déconne pas. Ouais, mais il ferait la gueule pour Fortnite. Oui, pas fou. C'est Airbus à 380, hein, pas Boeing. Oui, c'est vrai, c'est Airbus 380. Ah. Et Boeing 747, on est d'accord. Ça va coûter cher, lol. Attends, il y a les viewers, ils voulaient acheter la carte, 1000 euros. J'ai dit, on partagera avec toi, Pépone et Demencia et L2C. On va faire un Tipeee. C'est quoi pour la... Non, je vais pas faire ça parce qu'il y en a qui vont le prendre au pied de la lettre. Je vais fermer ma gueule. Ça va se retrouver à... Ça va se retourner contre moi, le problème. Je veux faire une blague, mais la blague passera pas parce qu'il y en a trop qui vont s'amuser avec ce clip et qui vont arriver, ils vont dire, vous avez vu, il le laisse pas gratuit, il avait dit que c'est gratuit. Alors comment je pourrais formuler ça que sous ça passe? Je laisserai la crew farm entièrement gratuite, mais on ouvrira un Tipeee pour dire que si vous avez envie de participer à la contribution des modeurs, bah vous puissiez leur laisser des dons, voilà, tout simplement. Voilà, on va faire ça comme ça. Je ferai un Tipeee pour Demencia, L2C, moi-même et Pépone. Voilà. Si vous avez envie de mettre des sous qu'à ce la crew farm vous plaît, bah vous pourrez mettre. Et bien sûr, ceci est une blague, c'est pas prévu au programme. Voilà, au cas où quelqu'un reprenne le clip, c'est mieux formulé, quoi. Dans la boîte, patron. Si je gagne l'euro million, sans souci, je te ferai un big don car tu es le boss. J'ai une boss? Comment ça, j'ai une boss? Il a mis BO2SE. C'est que j'ai une boss? Je suis une boss. Ben, j'espère que je suis pas un chameau. Hein. Ou un dromadaire. Ah, il m'a dit qu'une. C'est un drôle. Merci, ça serait c'est super gentil. Je suis venu pour rien, pour moi, le geste, tu prends tout normalement. Ah, peut-être pas. C'est gentil de penser comme ça. Ça me fait plaisir. Eh ben, il faut essayer de jouer. Faut essayer de jouer parce que 100% des joueurs ont gagné. Enfin, ont déjà commencé à jouer. Pardon. Alto X. Et tu sais que j'arrive à me perdre quand même, tiens. Tu as pas plus petit? Bah, j'ai essayé de chercher plus petit, mais j'ai pas trouvé. Si je garde l'euro million. Je garde l'euro million, je prends 3% de ce que tu gagnes. Je vais garder celui-là. Et je les mets en investissement de boîte et on se rachète du matos pour les vlogs. Nickel. Et je les prends même pas en paye, hein, tu vois, je suis même pas en train de te parler de paye, je te parle juste en investissement. Bayos, que je vais en prendre deux de plus là, et ouais. Tu prends tout le reste, t'attends okay. Que... La blonde est où? Normalement on devrait les garder, celles que je vais prendre. Exactement, normalement là ce que j'ai là dans... Ça devrait finir, on est à 96%. Ouais. Et j'accepterai l'émission une fois que tout sera... Déchargé à la ferme. Okay. Ouais, exactement. La blonde c'est Zouzou. Non, je sais pas où elle est la blonde. C'est pas quelle blonde que tu cherches. Non, il y a Graf qui cherche une blonde. Il y a pas de blonde ici. Et c'est quand je vais passer la journée, je te la montrerai la blonde. Attends que je passe une journée, t'inquiète. Ah mais c'est un tableau la blonde. Ouais, c'est un tableau la blonde. Une image. Je lui montrerai ma femme en image. Elle pose comme le Titanic. Stop la rêve Fabrice, stop. 100% des perdants aussi. Oui, c'est vrai JM, on est d'accord. Je joue un peu sur le DLC. Pour ça m'intéresse de venir sur le commu. Bah il faut venir, faut pas hésiter, au contraire. Je vous dis, le commu il est entièrement dédié pour vous, il est là prévu pour vous.
C'est des infrastructures et de l'organisation qui est spécialement organisée pour vous. Donc franchement, il n'hésitez pas. DLC. Ouais. Mais ça. On joue demain, nous. De venir sur le commu, tu vois. Après, demain, full ouvert, donc si vous voulez. C'est pas Gabi qui joue une blonde sur FS22 ? Je sais pas, il faudrait lui demander. C'est bon, Tobayo, tu peux tout amener au... à la ferme. J'amène tout à la ferme. Il faudrait lui demander au pauvre Gabi. Je croyais qu'il passerait en plus d'ailleurs, Gabi. Bah, il est passé tout à l'heure. Non, mais il passerait ce soir. Ah. Comment ça, ta femme pose comme le Titanic ? Elle a pris un iceberg dans la tête ? Non, elle a pris. J'allais dire une grosse connerie en plus, j'allais surenrichir sur le problème. On va être gentil. Non, c'est toi. Elle a pas pris un iceberg, elle a juste pris un schizo, voilà. Il y a pas de moisson, là non, on n'a pas de moisson, là on va avancer le temps. J'attendais que l'enrubanage soit fini. Les gars sont en mission de pressage. Attends, il y a encore une autre mission derrière. Ils ont deux missions de pressage et moi j'avais bien sûr le désherbage à la con à faire. Tu peux abandonner le matos sur place. Hein. Du coup, on arrive bientôt à la fin du désherbage, là. Il nous reste, on est à 80%, vous vous rendez compte ? Un truc de ouf. C'est un truc de fou. Putain, on aurait eu le temps d'enquiller deux missions, Bouillon, qu'il en toujours. Ouais, qu'il en. Voilà, mais si t'es pas content, tu prends ma place, hein, y'a pas de problème. Hein. Ah non, non, c'est toi qui as pris tout dans la merde. Oui, viens avec moi. Pose tout ton matos, viens avec moi. Si tu aimes les belles photos, va voir la fiche sur le bâtiment en face de la boucherie. Ouais, je sais, mais le problème, c'est le strike. Je suis parti chercher un autre truc à la ferme, moi là. On l'a grillé en off, on l'a grillé. Parce qu'il y a une autre mission derrière à faire. Une mission de quoi ? Dépendage d'engrais. Ah. La blonde, c'est pas Pépone avec une perruque. Je sais pas, il faut lui demander. Pépone ? Tu m'as pas dit que tu te t'habillais en blonde le week-end, tu sais. Après, on a pas. On a, après, il, je pensais quoi qu'il parlait d'une vieille blonde parce que Pépone il est pas tout jeune non mais. Oh putain. Oh l'enculé. Toi t'es un enfoiré toi. Arrête de parler Chris. Ah ouais, arrête de parler Chris. Tu vas avoir des problèmes. Avec qui ? Avec Pépone ? Ah t'es sûr que tu veux la crew farm en avant-première toi ? Parce qu'il va me dire, Tico, tu la files à qui tu veux, mais pas Chris. Chris il attendra sa sortie. Ça fait deux jours qu'on charrue sur notre âge avec Pépone. Il marque je suis brun, lol. Mais il a pas contredit comme quoi qu'il était vieux. Le bâtard qui a rajouté un peu, tu sais, sans délire. C'est ça. Toi tu vas voir, t'es sûr que tu veux ta carte tout court ? Bah ça serait dommage maintenant où elle en est la carte, ça serait dommage de pas la sortir. Le plus dur est passé, t'sais. C'est toi le vieux, ouais je comprends. Je sais que je suis vieux. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Je pense que... Chris a raison. Alors lui donne pas trop raison parce qu'après il va prendre la confiance. C'est qui vient ? Mais ça où à la ferme ? Quoi tu viens m'embêter toi ? Parce que j'avais envie de venir t'embêter. Non mais t'as pas autre chose à foutre ? Non, justement. Mais laisse mon Valtra, t'es 10 fois plus gros que moi, tu peux pas t'attaquer à quelqu'un de ta taille ? Mais justement, y'a personne... Arrête, je vais être perdu dans mes lignes là ! Fous-moi le bord... Eh, vas-y. Je vais te kick. Regarde, là du coup, je suis sûr que ça saute une ligne. Mais ouais, mais carrément, mais voilà, t'es... Oh là là. Il est méchant. Il faut poser le matériel aussi. Oui, il faut descendre le matériel, j'avoue. Ça marcherait mieux. Alors déjà que je m'y perds un peu avec le guidance. Vous les mettez où les enfants ? Chris, Laura en premier, c'est mon abonné préféré, lol. Quel faux cul. Merci Pépone, moi aussi je t'aime. Pas à la ferme, mon aimé. Où je les mets dis-moi où tu veux que je les mette. Ou dans le silo en silage en haut ? Non, non, tu les mets entre la ferme et le 7. Tu sais qu'il y a des chargeurs, il y a des... Sur Offberman, t'as des rangements hein, spéciaux pour les balles si tu veux. Je sais pas s'il y a pour les balles dans le silage. Je sais pas, faut regarder, mais normalement si. On a des balles d'ensilage entre la ferme et le 7. Ok, ouais, on est dans mission. En stockage, on a pas, on a juste pour les petites bottes de Paris. Attends, je regarde. Attends, je regarde. Là où je suis actuellement, là. Les bonbons. Je cherchais justement un stockage pour l'herbe. Parce qu'on a fait des balles d'herbe dans le champ de soie et je cherche le stockage. C'est le rhume des pieds. On a juste foin et paille. Ah oui. Attends, parle pas trop, j'entends pas. Je m'entends plus réfléchir. C'est mon cerveau qui réfléchit plus. Tu viens, Anto ? Je fais le tour, je connais pas trop le coin. Ah non, on a le paillaché, le fixe ferme actif pour faire l'ensilage.
C'est quoi vous avez fait là? C'est de l'ensilage? Vous faites pas du foin? Oui, là oui. Je te vois là-bas. Si, du, bah, du foin on en a fait déjà. On en a fait aussi. Ouais, je te vois. Non, ouais, y'a rien. Je pense pas qu'il y en ait du coup. Putain, j'étais persuadé qu'il y avait des stockages. Après, il y en a peut-être à installer, mais. En vrai, non, non, en pas en a... installé. Je croyais qu'il y avait des stockages normaux. Ah ouais, là, ok. Parce qu'on a bien des stockages de balles et tout ça, donc je vois pas pourquoi on aurait pas des stockages d'ensilage. Faut regarder sur un stockage de celui qui est à la ferme là en face de la maison. Oh. Attends, je mets l'ouvrier 30 secondes. Je vais regarder non. ça. Si. Non, on va perdre des sous. J'ai pas ouais, dit. C'est pas marqué. Sous, hein. C'est pas marqué interdit à l'ouvrier, tu sais. Non, ah, là... ça va arriver. Non, mais t'inquiète pas, ils vont te. Il y en a un qui va te action, le mettre. T'inquiète pas. Ouais, ouais, je m'inquiète pas. C'est juste le temps que j'aille voir. Du coup, pour l'instant là, je peux regarder quand même. Et après, je reprends. Allez, t'embête pas, Anthony. Ouais. T'embête pas à décharger. Ah bah oui. Voilà. Eh ben, okay. Ah bah revenu de récolte direct. On a de la paille, du foin, de la paille. Non, on n'aura pas de. Ouais, non, vous avez raison. C'est... Ah, y a plus de mission. Ouais. Paille, foin et paille. Vous avez même pas d'herbe. Hein. L'herbe, c'est en vrac, les enfants. Accélérer le temps un peu. Oh, t'es à 93%. Ouais. Encore un peu, c'est fini. Non, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, j'arrive à la fin là. Je leur ai rentré mon défi. Non, soyons gentils avec le patron. On lui laisse l'ouvrier. C'est cool. Du coup, l'ouvrier peut finir. C'est qui est dans mon tracteur là? Qui c'est qui est dans mon tracteur, bande de salauds? Ça... Y'en a un qui veut bosser à ma place, c'est ça? Oh là là, je vous jure. Qui c'est... Ah, voilà, je préfère. Ah, t'as raison, sauf toi. Je peux même pas monter dedans. Oh, il m'énerve! Il m'énerve, les mecs, il m'énerve, j'en peux plus. C'est quoi cette équipe là? Virez-moi ces mecs. Bande de méchants. Je suis obligé de venir en courant, t'sais. Dans mon tracteur. Les méchants, aidez-moi le chat, s'il vous plaît. C'est Soussou, voilà. Ça m'étonne pas, c'est Soussou. Allez, descends de là, là. Ah bah elle est là, la blonde. Bah, elle est pas blonde, elle est brune, mais elle est là quand même. Allez, descends. Je vais pas passer ma soirée à faire du désherbage, là. J'ai pas que ça à foutre, là. Y'a de l'argent à gagner. Ah, je te jure, ce mec-là, il s'arrête jamais, hein. Tout lui dire. Ah là là. Oula, oula. L'ouvrier IA, Waltrod, a arrêté manuellement. C'est bien, ils ont mis des noms aux IA. C'est pas mal. C'est pas mal. Putain, il y a eu des oubliés. Ah bravo qui, Chris? Oh, t'as rien vu. Oubliés. Ah, j'ai tout vu. 97% on arrive même à la fin. Clipper, si tu 3%. Il y a rien à clipper. Pas de quoi tu parles. Il a fait une connerie. Non. Si, si, t'as fait une connerie. Mais non, c'est les PNJ là, ils s'arrêtent en plein milieu des routes. Ouais. C'est toujours la faute des PNJ, tu sais. Bon. Et vous avez pas autre chose que cramer le gasoil là? Vous avez pas du boulot là? Avancez un peu le temps là, ça va vous donner des missions, tu sais, au lieu de. Bah, le truc c'est qu'on est obligé de passer une journée à chaque fois pour que ça pop des missions, parce que les missions pop pas. Oh bah le désherbage est terminé. En 8, terminé. Oh nickel, regarde, comment je vais être content. C'est obtenir. Oh. Oh, je suis soulagé. On est bien. On est bien là. Y'a pas de contrat actuellement. Y'a pas de contrat là actuellement, c'est pas grave. Mais juin, hop là, on va sauter directement. Bouge pas, on ressemble au patron. Bah, non, je te conseille pas. Avance pas trop le temps, faut que j'aille donner à manger aux moutons. Bon bah, les moutons, ça va, t'en as pas pour longtemps. Merci au GPS. Ah oui, carrément. Tiens, il y a de l'épandage engrais, les gars, là. Il y en a un qui saute dessus. Nice. On va essayer de perpoper d'autres missions, parce que ça aurait été intéressant d'en avoir d'autres, quand même. Eh, j'avoue que j'aurais pas eu le GPS. Ça aurait été la misère pour le faire. Je crois que je serai encore dedans. Cache pas que le GPS m'a sauvé la vie. T'es. Tu te testais... Marcus t'a sauvé la vie. Ouais, Marcus avec son tuto et puis les viewers aussi avec leur tuto. C'est pas mal quoi. Actualiser les contrats, tu testais voir s'ils fonctionnaient là-dessus. Alors actualiser les contrats depuis la mage 8.1 est bugué, donc je sais pas s'ils ont refait une mage par-dessus leur mode. Pour dire que ça fonctionne. Y'a le champ 20. Je fais emprunter les objets, comme ça je te donne un coup de renfort avec l'autre et qu'on fait les deux en même temps. C'est lequel le premier contrat déjà? Merde. Ah oh bah toi ils te font un Xerion pour épandre quoi, t'es sérieux?
J'avais le Zerion, j'avais non, la l'autre là. Eh mais lui, t'as un complexe? T'as un problème? Ouais. Alors 20 et 28. Elle arrive quand la map à Giant? Bah, elle est déjà arrivée en fait si tu la précommandes. Parce que moi je l'ai là, je l'ai dans mon jeu, donc le Platinum on l'a tous. Sinon elle ressort demain. Je vais acheter lui. C'est Gamer a obtenu la bouée. Eh mon Seb, comment tu vas? Un gré solide. T'es pas en live ce soir? Vous n'avez pas assez d'argent. Comment ça? Ah bah oui. Faire ça. Tac. Tac. De l'argent, toujours de l'argent. À minuit une, tu peux pas la lancer? Je sais pas du tout. Non, je pense que si tu l'as... Bah si, si tu l'as précommandé, tu l'as déjà, hein, regarde. Si vous l'avez précommandé, les gars, normalement, vous l'avez déjà, parce que moi, je l'ai dans mon dossier. Je l'ai, moi. Et je suis pas partenaire Giant ou quoi que ce soit, je suis comme vous, hein, les gars, je suis en casu. Donc... Bien, et toi, je si vous l'avez... Si je l'ai, vous l'avez tous. C'est sûr, surtout que je voulais pas. J'avais annoncé qu'on ferait une compète demain et je voulais pas l'annoncer. Je voulais pas la faire aujourd'hui, quoi. Salut, Chouchou. Salut Anto. T'es Anto, plus ça va, plus tu tires. Hein. 21h30 hier, aujourd'hui 22h. Bientôt tu vas arriver pour dire au revoir, quoi. Bravo. Hein. Ouais. Ouais. Ça devrait pas. Ça devrait pas tarder, c'est ça. Ma salle de bain est presque finie, donc ça devrait aller. Ça va mieux les fuites? Ben ouais, j'ai tout arraché. Ah ouais, quand même. C'est pour ça, hier j'ai posé le bac de douche, là j'ai posé la paroi. Ouais, bah ouais. Oh là là, regardez, regardez-moi ce guignol. Attention là, c'est accro. Tu sers à rien. Putain, maintenant il m'a bloqué entre deux bagnoles, quoi. Putain, mais je te jure. T'es bloqué tout seul. Eh, mais tu m'aurais pas poussé, j'aurais laissé passer la voiture, j'aurais été tranquille. Mais là, t'es là en mode gros bourrin avec ton Lexion. Avec ton Xerion, pardon. Sauf sur la synchro. Ouais, pas de problème. Attends, je suis en train de chercher comment désactiver le trafic routier. Il sert à rien, ce mec, il sert à rien. Il fait chier, c'est tout. Si tu veux, je te le désactive, moi, le trafic routier. Ça y est, c'est fait. Tu prends lequel, le 28 ou le 20? En plus il répond pas quand je lui pose une question. Mais je viens de te dire comme tu veux. M'en fous. Bah moi aussi. Bah comme tu veux, vas-y. Ouais, je te laisse le 20, il est plus proche, comme ça je vais plus loin. Moi j'ai que 3000 litres, hein. J'ai pas 50. Déjà on va désactiver le machin. J'ai que 2590. On va baisser le truc après à fond, histoire de dire. Tu aurais dû le retourner là. Non, ils auraient pas dû me retourner, non. Vous êtes méchants. Laissez-moi tranquille. La prochaine fois Pépon. En plus c'est Pépon. Oh putain, mais je te jure. Je lui fais faire la tortue la prochaine fois. Ouais. Attends que je me retrouve avec un télesco dans les mains, vous avez commencé à courir tous. T'arrives à mettre la main dessus? Oh, t'inquiète pas pour lui, va. Ouais, je m'inquiète pas. Ça devrait bien se passer. Hop là! Alors, est-ce que je suis au plus bas là? 18 kilos hectares. Ça doit être ça. Hein. Oh putain, par contre, je peux prendre beaucoup plus large. Je sais pas pourquoi j'ai fait aussi court. Hein. Et là, si je fais Alt X, ça marche aussi? Non? C'est Alt C et Alt X? Ah non, on doit recréer le champ. D'accord, ok. Salut Georges. Oh, bah c'est bon, il y a que 2000 litres qui passent en flotte, donc il y en a encore 2000 dans la citerne là. Ouais, ça devrait le faire. Qui pensait que vous étiez déjà bien. Je peux avancer encore un peu le temps si vous voulez voir s'il n'y a pas une mission. Hein. Ah, mais il y a Aurélien? Oui, il y a Aurélien avec nous. Je suis là. Le grand retour d'Aurel. Ouais. Je suis en train de crever. Ça fait 12 piges qu'on le voyait plus. Oui, oui. Oh. Ah, le retour de la maladie. Ouais, c'est la toux. C'est Chris, il m'a fâché, du coup je suis en train de retousser. C'est de sa faute. C'est de ma faute encore. Ah oui, c'est de ta faute. Regarde, ta femme est gentille, elle m'offre des bites. Elle est pour lui, elle. Oh, si, elle est au lit, hein. Je dis ça en déconnant, hein. Je la vois pas dans le chat. Le gars qui fout la merde. Bon, déjà, c'est bizarre qu'elle a débarqué sur les lives. Parce qu'elle a dit, de toute façon, je suis sur aucun de vos lives ce soir, je suis pas bien. Okay.
Bah qu'elle se repose la baleine à bosse, c'est pas de problème. Bah sachant que demain matin on a rendez-vous chez le médecin justement pour les... L'écho ? Non. Ah, moi je kiffe les échos. C'est pour le suivi de grossesse là. Le suivi, ouais, c'est un suivi basique quoi. Ouais. Couchez-vous, bon, deux doigts, c'est bon, ça se passe bien, vous pouvez rentrer chez vous. Ouais, mais là, ouais. Je sais pas, quoi, situation là. En ce moment, moi. Ah, oui. Ah. Putain, mais les gars, le confinement, vous avez tous fait des bébés, quoi. Truc de fou, quoi. Sauf que moi, c'est double, les jumeaux. Oh putain. Ah, bah, bon courage, j'allumerai un cierge pour toi. On a de la chance, c'est un garçon et une fille, donc... Ah, ça, c'est ça, bien. C'est vraiment ballot, hein. Ah si, oh, c'est cool. J'ai vraiment pas de chance, moi, je me tape. T'auras même pas profité deux fois, putain. Ouais. Des faux jumeaux, c'est pas mal, ça. C'est bien, il a fait le taf du premier coup. Un gars, une fille, bim, voilà, tac, c'est fait. T'en avais peut-être d'autres avant, non ? Non, c'est les premiers. C'est les premiers ? Ah oh bah, c'est franchement, jackpot. GG ouais, à toi. Ouais, j'ai... Faut que je joue au loto, j'ai pas encore joué. Mais... Ouais, tu devrais essayer, je pense que tu serais gagnant. Y'a moyen. Salut, Éclusier, comment tu vas ? La forme ? Deux ou... Anto Bayo, ça va, deux nouveaux esclaves en formation. Alors je suis pas sûr qu'il va les mettre en formation tout de suite. Hein. Attendre qu'il pousse un peu quand même. Enfin qu'il pousse un peu. Ouais ouais on va attendre un peu. Avant de les mettre à farming. Même si le mien a 3 ans est en train de se mater des vidéos farming à l'appel quasiment. Gamin il me pique la télécommande de la télé, tu sais. Papa YouTube. Non, papa il travaille sur YouTube, mais toi tu regardes pas YouTube. Si papa YouTube. Et quand il arrive à carotte la télécommande, c'est qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde du farming. Allez, ah, putain. On est mal barré. On est foutu, les gars. J'ai la relève, elle est présente. La mienne a même pas 2 ans, elle commence déjà aussi. Oh, ça va vite. Oh. Ah ouais, madame, en ce moment, elle lui fait moins une vidéo. Et puis... Mais le pire, c'est qu'elle regarde au moins son père sur YouTube. Qui ? Le mien ? Bah, tiens. Bah, gamin. Bah, tu sais, il regarde du russe, il regarde du chinois, il regarde de tout. Oui, de temps en temps, c'est papa. Ça, quand c'est papa, je le sais. De temps en temps, ah, papa, en me regardant à la télé, tu vois. Oui, c'est papa, il est en vlog, c'est papa. Sur la vidéo de l'ensilage où on le voit apparaître, et... il est tout étonné à chaque fois qu'il se voit, tu sais. Donc ça le fait marrer. Le fromage de chèvre n'est pas accepté ici. Non, il est adorable. J'aimerais bien qu'il dorme la nuit, tu sais, au lieu qu'il se réveille. Depuis qu'il dort tout seul, c'est un peu le bordel, mais sinon... Putain, non, ça va bien, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre, je suis pas mal. Et juste quand papa il sera plus malade, je pense que ça ira mieux. Voilà, ce sera parfait. Papa il arrêtera d'être malade et de changer de maladie tous les jours, tu sais. Un jour une bronchite asthmatiforme, l'autre jour un mal de crâne, l'autre jour c'est mal de gorge. Un jour je perds ma voix. Bah, je touche du bois, j'espère pas que ça revienne le coup de la voix parce que c'est chiant. C'est vraiment chiant. D'ailleurs, madame a retrouvé la sienne aujourd'hui. Ouais, madame, elle a retrouvé la sienne. Bah, madame, elle a eu moins de chance que moi. Elle, ça a duré une semaine. Moi, ça a duré quelques heures. Enfin, quelques jours. T'auras plus le droit au camionneur dans les vocales ? Non, t'auras plus le droit au camionneur dans le vocal. Très... Oh, je suis déçu. Non, elle a retrouvé, là. Ça commence... D'ailleurs, je le sais bien qu'elle l'a retrouvé, tu sais. C'est que je le disais en taquinant, j'ai dit putain, il dit, je préférais quand t'avais pas de voix. Regarde, mais bah pourquoi ? Parce que au moins je t'entendais pas crier. J'avais pas mal à la tête. J'avais pas mal au crâne. C'est passé bien. Oh là, je tente un jackpot. Ah, mais y'a Kourox qui nous a rejoint. Il faudra vraiment qu'on avance le temps, qu'on ait des missions parce que là. J'en vais à terminer. Nice. T'as fini ton 28, il te faut un coup de main ? Bah non, c'est bon, il est fini. Il finit depuis longtemps ton 28 toi. Et où elle est cette fauchon? Ah ça c'est intelligent, je sais pas lequel qui a fait ça mais il me restait 2500 litres d'engrais. Bravo, merci pour la gaspille. Donc hop, on va faire ça. Et on va passer une journée complète parce qu'il est 17h22. Ça on sert a de l'engrais la ferme ou quoi? Faut que je passe au magasin. Oui, il y a ce qu'il faut. Il y a de l'engrais. J'ai fait du stock hier. Il y a de l'engrais. Merde, elle est où la ferme? Elle est où ma maison? Elle est où ma femme? S'il vous plaît. Chez le voisin, on t'a déjà dit.
Ah, oh, est-ce que je demande la tienne où elle était? Elle est dans son lit devant appel d'urgence. T'en sais rien, ouais, appel d'urgence. Ça, j'avoue. Hop là. Il y a aucun risque de ce côté-là. Elle est sous... Allez, on fait le dodo, les gars. Pourquoi à chaque fois il fait une demande de dodo pour que je me tape un mur? C'est fait exprès. Allez, on fait dodo, les enfants. On passe une journée pour avoir l'émission. Et il y a des drôles de choses dans ta chambre là. Non, il y a ma femme en position titanique là. Ouais, le cœur de l'océan. Ouais, je te l'enlève, je te la mets bien. Hop là. Et mes deux filles en face là. Il y a personne qui veut passer le temps. Ouais, il doit avoir du FK. Merde, j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas. C'est qui? C'est qui en train de jouer le fromage? Bon, on va passer comme ça parce que là. Non, c'est normal, on est en train de charger le fromage. Ouais. Je pense pas que ça marchera comme ça. Hop, attends, bouge pas. On va regarder. Le blé, vous l'avez déjà tout pris. Avoine, 18 000 litres. Sorgho, 2 000 litres. Ouais, ça va être temps de taper des récoltes parce que là, ça va commencer à être compliqué. En paille, 237. C'est bien. Lait de chèvre. Oh, on a déjà un paquet de lait de chèvre. GG les mecs là. Faut aller le vendre, le lait de chèvre. Hein. On va gagner des thunes. Non, peut-être le livrer aussi à la transformation. Il y en a pas. Le truc, c'est que ça prend pas tout parce que t'as 4000 litres de lait de chèvre et ça prend 1000. C'est pareil. 1300 la machine. Va falloir qu'on commence à investir peut-être dans des champs et à un moment donné dans une vraie moissonneuse quoi. Ça pourrait être sympatoche. Putain, ça passe juste ici. Trop. Oh, c'est quoi ce coffre? Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. C'est quoi ce coffre? Ah, c'est le coffre qui disait Popon. Qui veut un café pendant qu'on passe le temps là? Je vous fais un café, un thé, ce que vous voulez, les gars. C'est parti, on s'allonge, on se met sur la table, on se met bien. Je visite la maison. Oh putain, j'avais dit à ma fille de pas se mettre comme ça. Elle a pas écouté encore. Allez, zou. Et Chris, toujours en train de se promener avec son zérion et un petit semoir derrière. Toi, t'es pas dans la bulle, toi. Toi, t'es pas dans la bulle du tout, tu sais. Je te le dis, t'es pas dans la bulle. J'avais oublié que j'avais les pendants en grès. Merde, putain, je suis passé pour. Oh, j'avais pas vu, mais les gars, les modeurs, eh, c'est des trollers. Franchement, les modeurs, c'est des trollers, tu sais. Alors, je sais pas ce qu'il y a marqué là. Ça doit être des factures, des trucs comme ça. Mais là, par contre, c'est des trollers. Le coup de te mettre le petit sopalin à côté de la table de nuit, ça veut tout dire. C'est une belle équipe, là. Et sacrée facture quand même. Il est 6h du matin. Est-ce que nous avons des missions? Toujours pas non. De mission. Putain, mais les missions, on est vraiment pas riches. Pourtant, on est au mois de juin là. On n'a pas de la récolte au mois de juin là. Pourquoi les. Attends, Victor. On a de l'orge. Est-ce qu'on avait une récolte? Est-ce qu'on avait planté de l'orge? Je me rappelle plus. On non, a le 4. On peut peut-être acheter le 4 ou le 10, comme vous voulez, les gars, si vous voulez un peu d'argent. Ah non, il y a que de la chaux et de la semence là-dedans. Oh, il y a encore du désherbage, je le prends pas. Je le prends pas, le désherbage. Je vous le dis tout de suite. Hein. Vous oubliez. Tu l'as mis où l'engrais? Ah, pourquoi? Mais t'étais pas là au début de la. J'ai pas arrêté. Hein. Coûte combien lui? 523 000 le chantier. Putain, mais archi cher le truc là. C'est pas des champs, mon gars. 300 000 euros le. Oh là là. Est-ce qu'on achète le champ 4? Le 3 tout en bas. Non mais le 3 y'a rien dedans. Le 1. Y'a notre herbe. Le 1. Le 1. Oui le 1 mais qui est 3 quand t'es sur l'achat de terrain. 257 000. Non mais là je vais acheter un champ qui est prêt. Ah. Attends, est-ce qu'on a des missions? Putain mais on a que le désherbage, mais on a rien en mission. Un truc de fou, on a que dalle. Un truc incroyable quoi. On va passer une journée complète à l'arrache. Avec les moissons. Ouais bah je pense que ça va être comme ça. Pourtant il y a déjà du récolté hein. 19, 18, 24, 27, 23. Ça a déjà été ramassé tout ça. Ça aurait pu être des missions potentielles. Mais non. Ouais mais hier soir quand Chris j'étais sur le live de Chris, il a passé une nuit. Et on a vu toutes les missions dépopées en toute seule alors que le temps avançait pas.
Bon, je te souhaite une excellente soirée. Si tu veux discuter pour ta map, je suis à ta disposition en MP, bien sûr. Tu me diras tes conditions. Bonne soirée. Bah, il faut que tu m'envoies un MP Discord parce que je vais pas courir après toi, mon petit. J'ai pas vraiment comment te dire. Envoie-moi un MP Discord, on en parle en MP, y a pas de problème, mais je vais pas courir en fait après toi. C'est sûr, parce que j'ai qu'un pseudo, alors que toi tu sais où m'attraper. Attends un peu, Schizo, y a plus de place au pool. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. J'étais en train de discuter. Qui est pour que le patron fasse du désherbage à nouveau? Personne. Personne. Sinon, ça va être ta punition. Surtout que c'est la seule mission à la con, quoi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, moi je te dis. Ah, c'est pareil, les œufs, vous commencez à être blindax en neuf. On les met où? On a un truc là. Pour les mettre, les œufs. Là, ils sont posés en vrac sur le côté gauche, ils sont en train de pourrir. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, Aurel, t'es parti? Non, Adrien. Ouais, c'est Aurel. Ah non, c'est Adrien, pardon. Je crois que c'est Aurel. Mais non, pourquoi je les mets là? Je suis sur mon vélo. T'es sur ton vélo? Hé, ouais. Vélo! Ah, viens voir, Antoine. Ah bah, je t'ai coupé la tête à une poule ou quoi? Ouais, j'ai coupé la tête à la poule. Oh putain, j'ai balancé la poule. Je suis sur le vélo en train de faire du transport de lait. D'accord. Bah moi, tu vois, je casse des œufs pour faire des omelettes. Oh, il va falloir charger toutes les caissettes, là. Ça va être compliqué. Hein. On peut avancer le temps. Ça manquera peut-être de nourriture. Ah, quoi que non, 70. Il va y avoir une synchro, faites gaffe. Pas de soucis. Hop là. Attends, bouge pas, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas plus rapide que qu'avec le vélo, avec ses 200 litres pour 200 litres. Non. C'est la particularité de la carte. C'est qu'il n'y a pas plus rapide. Mettez prêt, les mecs. Ah merde, la synchro en même temps. Il y a eu la synchro. Je suis trop con, en plus, il m'a prévenu. Ah, une demande de repos est déjà en cours. Est-ce que tout le monde va cliquer? Est-ce que tout le monde ne cliquera pas? Moi, je l'ai plus affiché. J'ai pas pu cliquer non plus. Ouais, j'avais pas pu cliquer non plus. Ouais. Demande de repos. Attends, je vais y arriver au bout d'un moment. Dormir. Oui. Dormons, mes enfants, dormons. Hop là, bonjour. Ça va le barbu? Impec. Ça y est, c'est bon. Ça ne dormira pas. Ah, ça y est, il y a de la récolte. Emprunter les objets. Emprunter les objets. Ah, t'inquiète toi. Hop là. Il y a le champ 4, il y a le champ 10, les gars, on peut y aller. Let's go. Et il y a les nôtres à faire. Nickel, on peut sortir la fente et tout. Zébardi. Ouais, j'en suis dans une. Je suis dans une batteuse impeccable. Ouais, on va dans la récolte à foise. C'est bon, va y avoir du boulot pour tout le monde. Impeccable. Est-ce qu'il y a d'autres missions? Oui, il y a encore une autre qui arrive là. La 16. Oh, c'est la même que la NH. Donc ça, hop, on la prend. Et il est 5h30, 16h du matin. On va peut-être attendre 9h. Et puis je vais arrêter le temps. Comme ça, on sera bien. Les magasins seront pas ouverts si tu... Bah ouais, si j'ouvre pas, si je laisse pas jusqu'à 9h, on est baisé. Au niveau des magasins. 7, 8. Allez. Je voudrais bien qu'il y ait d'autres missions qui pop parce que bon. Ça aurait été sympatoche d'en avoir un peu plus quand même. 8. Toujours pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, il y en a une autre. Nickel. Hop là. Et c'est parti, moi je prends la 16. Ah, oula. Ah, y a une JD qui vous dans le magasin là. C'est ça. Ah oui. Ah, et Patolo, il y a problème, il se met à coucher, Patolo. Allez, moi je prends la JD, je vais me casser avec la JD, ça va vous libérer un peu. Oh putain. Oh putain. Bah alors, Schizo. Tu fais quoi? Oh! Oh, Anthony! Il pousse, Anthony, il pousse! Alors, c'est quelle barre de coupe qui est rapport avec quelle machine là? Parce que. J'ai pris la première remorque qui passait, moi. Aurel, tu peux m'enlever la classe, s'il te plaît?
Ouais, ce que je vais faire. Oh, Soussou, tu vas où? Ah bah la Dots, il y en a un qui va faire nos champs, hein. T'inquiète. J'ai bug. Je suis déjà dessus. Kurox a pris la grosse fente. Ouais, elle va m'enlever le truc, je vais prendre la barre, la deuxième barre de coupe. Kurox, il faut que tu poses la barre de coupe sur le transporteuse. Mais c'est quel champ, on a dit? Bah là, regarde dans l'émission, tu vas aller voir. Ouais. Bonheur, un peu tout là. De toute façon, on est tout en coupe céréale. Hein. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Ah, moi, je vais aller. On peut même tout, on peut même tous tourner en même temps, je pense. Hein. On peut même tous tourner sur le même champ hein, si on veut. Oh putain, oh putain. Je suis en train d'arracher la classe. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Le patron essaye de sortir, ça va bien se passer. Voilà, nice. Il faudra faire gaffe aux récoltes parce que je sais pas où va quoi. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 4 moissonneuses, on jette dans le même champ et on découpe tous les champs comme ça ou comme ça on essaye de claquer une mission par une mission. Ça peut être sympatoche. Bon, comme ça on est tous ensemble, on joue tous ensemble, c'est impeccable de frais. Bravo l'annonce de la synchro, bravo. Merci Soussou hein. Ah oui, pardon. Quelle belle preuve d'exemple. Ouais, et là, il va me dire, attention, synchro. Non, c'est ça? Non, je ne dis rien. Hop là. Ah merde, oui, j'ai pas déplié. À l'américaine, c'est ça. C'est ça, ça pourrait être joli, ça peut être sympa, c'est pour ça. Je me dis que tous sur le même champ. Les gars sont en camion en plus au niveau des grains, donc au niveau des. Vous voyez, il y a pas mal de matos. Ça peut être sympatoche. En plus. T'en sors, Kurox ? Kurox il se bagarre mais il a chargé, ouais, c'est bon. On fait pas d'andin, on est en mission, ça sert à rien. Ouais non, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai pas mis le mode pour récupérer les la paille. Sur l'émission. À l'américaine, la moisson. Ouais, impeccable, en plus on a le 10 juste à côté, on a même pas besoin d'enlever les coupes. Ouais, c'est cool, ouais. Non, mais les coupes, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes partout. Hein. Ouais, mais non, mais on a pas besoin de découpler. Salut Loulou. Garder les coupes attelées, quoi. Bonjour, t'as oublié le jour. Bonne nuit. Comment tu vas, Loulou? Bienvenue. Installe-toi confortablement, ça va bien se passer. Putain, j'ai un Aurel qui me colle au cul. Vous ne passerez pas. Pardon, dis-moi. Bref. Et toi? Bah tranquillou, tranquillou. C'est sur le serveur communautaire Hofbergman. On est en train d'essayer de découper la carte en 10. Et on a surtout une tonne de moissons à faire, ça va être cool. On va se découper ça à 3-4 moissonneuses dans les mêmes champs, là, ça va être impeccable. Impeccable de fringues. Y'a que Chris qui est dans nos champs du coup, Chris t'es parti dans nos champs c'est ça? Ouais avec moi. Oh, ok. Bah Aurel avec le SMI, c'est toi qui as la responsabilité de poser les... merde. De poser le grain au bon endroit, hein, Aurel. Hein. Attention. Hein. Oh ouais. Tu fais pas le con, hein. Tu vises bien. Hein. Ouais. Tu vas où avec la remorque? Voilà, hein? Tu vas où avec la remorque? Oh. Je vais faire mon tour. Hop là. Anthony, tu referas demi-tour sur toi? Ouais, ouais, je fais demi-tour, ouais. Okay. Nickel. Comme ça, moi, je referai demi-tour, je referai le deuxième détourage dans l'autre sens. Et après, on pourra se taper des lignes de blé. Tiens, okay, je te laisse passer. Attends, mais... marche arrière. Ouais, vas-y, vas-y, si tu veux. Ouais, ouais. Ça va, Anto? Tu veux. Ça marche aussi. Hop là. Pourquoi est-ce que je vois un tracteur sur le coucher sur le côté là? Ah bah ça c'est en ça c'est en tout ça. Il m'est rentré dedans. Ouais ouais, j'étais rentré dedans. Ouais. Autres, c'est... Il y a celui-là qui va dans à un endroit et les trois autres vont dans le même endroit. Ouais. Bon bah et c'est lui qui est séparé des. Et bah tu vois vu qu'on attaque celui-là en premier. La chance que c'est au champ.
Ah bah y'a Kourax qui arrive en face, donc nickel. Kourax, tire tout droit si tu m'entends. Kourax, déplace le petit chevalet si tu m'entends. Tire ta ligne tout droit, moi je vais faire le petit boulin là. Comme ça tu peux faire les bords. Moi je suis à 80% là déjà. Ah, il y a une mage qui est, Aurel, tu peux y aller. Est tombée aujourd'hui là. Oui, il y a la 8.2 qui est sortie. D'ailleurs, Pépin, t'as vérifié s'il y avait quelque chose de pété sur la crew farm avec la 8.2? C'est vrai que j'ai pas de retour là-dessus. Je serais curieux de savoir si du coup la crew farm, il y a un truc qui a été pété sur la mage ou pas. Ils ont pas dû faire des grosses corrections, hein, j'ai pas regardé, mais... Et c'est quoi ce tracteur, il a tout le temps de curler. Ah, il m'entend, Kourox, ça c'est cool. C'est la nouvelle version d'Elf Barman? Oui, c'est la V1.1. V.1.1. Bouge pas, Aurélien. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Tu as le lien de la map oui, photo, sur YouTube. Si tu vas voir mes vidéos YouTube sur Elf Barman, normalement, t'as le lien qui est disponible avec. Le lien en description de vidéo. Mais là, sur Twitch, non, j'ai pas le lien dispo. Bah, sinon, il est facilement trouvable. Hein. Tu vas sur LSFM, leur site, là. Et tu DL la carte de Elf Barman. Tu trouveras facilement le lien en fait. Hop là. Bon. On va le découper le champ 10 les gars. À une vitesse le truc. John Deere, mon père a que du John Deere dans sa ferme, 700 hectares. Ah ouais. Bah alors, je pense pas que ça soit ce modèle là qu'il a, il y a peut-être plus gros. Hein. 700 hectares. Ouais. Ouais, je pense qu'il a un peu plus gros. Ouais, celle-là, c'est une 560. C'est pas la plus grosse, quoi. Putain, j'ai oublié un petit bout. C'est pas grave. Aurel, reste pas loin, je suis à 74%. Par contre, Kourox, il faut que tu le surveilles de loin, il est pas en vocal, je crois. Oui, non, on l'entend pas. Ah si, il est là. Putain, mais attends, bouge pas. On l'entend pas. Ouais, on l'entend vachement bien. Putain, faut que je le monte. Kourox, il est où? Il est là. Hop là, on va lui mettre 150%. Coucou, Kourox. Coucou. Ah bah ouais, on entend mieux. Mais quand je mis à 2%, je l'entends. Oh si, je l'entends. Moi aussi, je l'entends. Hop là. Alors attends, je vais vider. Salut Thibaut. Comment tu vas? Bah ça va bien, à part que je suis malade, mais sinon ça va, hein, c'est la forme. Mais bon, ça fait un mois que je suis malade, donc ça devient une routine. Mais ça va, la forme, impeccable. Et toi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens depuis ce temps? Ça fait un moment que je t'avais pas croisé, toi. Ça fait un moment. Eh, y en a pas un qui veut m'offrir un café, là, s'il vous plaît? Si ça, je dis rien. Hein. Je crois qu'il y a la commande, elle est disponible. Le gars qui a envie d'un choco chino. Merci, Taz. Merci beaucoup. Hop là. Merci, Aurel. Ah, tu feras attention, Aurélien Arbre. Ouais, j'ai des petits coups de lag donc. Ouais, vous êtes nombreux à nous dire que vous avez des petits coups de lag, mais moi, franchement, je bouge pas d'un pet quoi. Moi non plus. Ah, moi j'ai eu un ou deux lag. Ouais, peut-être. Oh, mais moi, c'est mes MS qui explose donc. Ah, c'est la MS qui explose. Ok. C'est la co qui merdouille. C'est la co qui veut pas. Vas-y, Aurélien, passe. J'ai pris large exprès. Hop, je suis en train de choisir mes capsules de café en même temps. Hop là. John Deere série X. Putain, ça me parle pas. X9. X9, c'est la X9. Non, il y a plus petit, mais... Ça doit être des bêtes de compétition, ça. Ça doit être encore des bêtes de compétition, les machins. Vous êtes des énervés, vous. C'est laquelle, la 1000 ou la 1100? Il y a plusieurs modèles, la X. Ouais, au CIMA il y avait la X9100. Bah, c'est le cas sur Farming. Ouais, ouais, c'est celle de Farming. Ouais, il y a la. Ouais, c'est ce jeu-là. Il me semblait qu'on a la X9. La X9 sur Farming aussi. Ouais, la X9100. En TerraTrack. TerraTrack, c'est jeu de merde. Non, TerraTrack, c'est classe. Ouais, c'est classe. Ouais, je te dis. C'est chenille. Chenillard, ouais.
Ouais, X9. Putain, sacré matos. T'as de la chance de bosser avec ça. Ouais, c'est cool ça. Ça va être bourré de technologie dans tous les sens avec des capteurs dans tous les sens. Il y en a chez nous, ils ont 1000 hectares et ils ont pas ça. Bah, 1000 hectares, ils tournent avec une Lexion 6600. Et bientôt une case, j'ai perdu le numéro de la case, mais une grosse case. Nous, et 1000 hectares, ils tournent avec une jaune. bouge pas. Ouais, c'est bon. Ben moi j'ai 1000 hectares et je tournais avec une bison, hein, tu me fous la paix. Moi j'avais 1500 hectares et je tournais avec deux 1695, t'as qu'à voir. Oh putain, ouais. Ah ouais. Je conduis que les tracteurs. Ah. C'est bien déjà, c'est bien. Ouais mais les X9 maintenant t'as rien à faire, tu t'assois au volant, t'appuies sur un bouton, ça marche tout seul. C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est pas marrant, tu galères pas. Après c'est vrai que les moissonneuses, ouais c'est beaucoup de l'aller-retour quoi. Tu fais plus grand chose comme avant quoi. Là j'ai vu une vieille moissonneuse tourner il y a pas longtemps. Une vieille moissonneuse tournée, c'était marrant. Les mecs ils galéraient beaucoup plus à l'époque. Hein. Les vieilles sans cabine. La dernière cabine, vieille moissonneuse que j'ai vue tourner encore, elle est même plus à bord de coupe. Merci Tass pour le café. En une demi-journée, on l'avait désossé la moissonneuse. Oh, putain, bravo! Bravo, tu désosses les moissonneuses? Les vieilles? Pour faire une moisse-boîte grosse? Oh, voilà, c'est ça. Moisse-boîte grosse. Mais c'est vrai! Bah, c'est vrai! Et pourquoi? Pourquoi une moisse-boîte grosse? Tu fais quoi? En fait, vas-y. Tu démontes tout, t'enlèves tous les organes de coupe, tout ça, tous les. Les machins qui servent à rien, tu vois. Ouais. Pour l'alléger au maximum. Tu soudes des barrières de sécurité de chaque côté. Ouais. Ou des poutres. Des barrières d'autoroute, et puis. Et tu tapes la course. T'as le gaz, ouais. Tu tournes en rond, puis tu te rentres dedans, quoi. Putain. Moissonneuse tamponneuse. T'as des pièces de musée que vous amusez à cartonner comme ça, bah bravo. Merci pour l'abonnement sur YouTube, merci beaucoup. Mais quand tu montes dans la moisse-batte, tu débranches ton cerveau quand tu vas en course. Bah ça, de toute façon, tu vas pas me dire le contraire. Hein. Ça, c'est sûr et certain que tu vas débrancher le cerveau. Bah, je vais péter sur le 10. C'est baqué sur le casque. Bientôt. Bon, je vais sur le 10. Il y en a, Aurel, ils l'ont jamais branché. Hein. Bah moi, personnellement, tu me croises en karting, tu vas voir que mon cerveau, il est pas branché. Hein. Il y en a plus d'un qui ont fait les frais. Est-ce qu'il est branché en temps normal? Bah, le cerveau, oui, quand je suis sur la route, il est branché depuis l'âge de 30 ans. Mais avant, il y avait un problème de câble. Mais oui, depuis que j'ai 30 piges, oui. Ils ont mis 30 piges à trouver la panne. Ouais, ils ont mis 30 piges à faire un coup de diag et comprendre d'où venait le problème. Bah, c'est surtout qu'à 30 piges, il me restait plus qu'un point et je me suis retrouvé à moins 4 points. Et que je suis retrouvé à rouler 2 ans sur un point. Donc, en temps normal, la prise, tu vois, était vite rebranchée, tu vois. C'est ça qui m'a calmé, on va dire. Oh merde. Mais oui, il y a un moment donné, dans ma vie, le cerveau était pas forcément branché. T'sais. Tiens, Aurel, tu viens me vider? Surtout quand tu roules en Cosworth. Je suis sur le 10 parce que je peux pas moi. Il me restait un peu de grain. Et... Sierra. Non ouais. Oui, Sierra, putain. Wow. Ouais, elle est en escorte aussi. Hein. Elle est en escorte, mais moi j'avais la Sierra. Sierra Cosworth. Mon oncle il en a. Et ça c'est baisé comme voiture. C'est une voiture, faut pas filer ça à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui se tuent avec. Mon oncle il en a déclassé une. 4 roues motrices et désénervé les machins. Mon oncle il en a déclassé une dans un rond-point. Ah ouais bah ouais. Il arrive dans le rond-point, le gars de devant, il démarre. Mon oncle qu'est-ce qu'il fait derrière? Il démarre, l'autre il pile au milieu du rond-point parce qu'il a fait tomber un attaché caisse. Oh putain. Videz bien vos boîtes, le disque de l'or. Ouais, j'arrive. Je vais vider là. De toute façon, je crois qu'il y a que. Bah, il est parti en. Je suis parti le vider un peu et j'arrive. Okay. Donc, le reste du grain, on va le vider chez Soussou. Hein. Oh, il me reste de la place. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il fait le Soussou là? Bah, là, il est en train de. Il est avec les remorques. Je sais ce que j'ai envie dedans moi parce que là, Soussou. Moi, il me reste de la place. Hein. Ouais, bah, trop tard. Je suis vidé dedans, pardon. Bah attends, va vider Kurox et je pense que t'auras plus de place après. Bah, j'ai pas, j'avais que ça. Bah ouais, j'ai que ça, désolé. J'ai que ça, désolé Bichon. Soussou.
Oui. Sur 10, c'est la droite. Rien à faire. Ouais. Faut te voir dans un bahut chez nous là. Il y a du boulot ici. Et que tu mets un gyro mort de rire. Attends. Quoi? Ou que tu mets un gyro mort de rire et la sirène. Ah non, ça c'était sur. Ça c'était sur la Clio ça. Ça, ouais. C'était pas la Cosworth. Ah, la fameuse Clio. La... C'était l'anecdote de la Clio. Ouais. Le 3. Ouais. Bah ça j'étais. Bah, c'est les potes ça c'était dans l'âge où mon cerveau était pas branché. Tu vois. C'était vraiment dans l'âge où mon cerveau était vraiment pas branché. La Hello elle est de l'autre côté de la route. Bah Soussou va vider hein parce que c'est de l'orge ici. Hein. C'est pas du blé. Hein. C'est de l'orge ouais, non. Ah. Ça va te promener hein. Je suis désolé. Donc c'est ah d'accord. J'ai du grain qui pop comme ça, normal. Ok. Et surtout ce moulin à grain, après les restes vont au même endroit, donc là il n'y a que le moulin à grain à faire. Et les grands champs là, on sera pas... Ah, il est pas mal celui-là, ouais. Ouais. On sera pas de 3 à mon avis. Ouais, pas trop de 3 là, ça va être bien là. Là je pense que les gars ils vont tourner en remorque parce que... Parce que ça a l'air de rendre, je suis déjà à 60%. Ouais, moi je suis à 10%, je viens juste d'attaquer un bord, donc ça va vite. Ça va aller super vite. Ici la peine elle se remplit pas vite avec la top liner. bah tu m'étonnes. Putain, je vais la vider souvent. Mais c'est ça qu'il faudra viser peut-être à un moment donné. Un peu de... Et elle a pas fait un champ encore hein. On a un peu fait la moitié d'un champ. On va peut-être viser une moissonneuse peut-être intermédiaire, un peu plus grosse quoi. Une 7 ou une 7 mètres. Ouais, une 7 mètres ou... Et le 4 il est pas achetable là parce que il a l'air d'être mûr. Le 4 ? Non, c'est une mission. C'est une mission. Ah, c'est une mission le 4. Mais après le 4 il coûte combien ? Bah le 4 il était déjà mûr le dernier coup, il coûtait 298 000. Super cher les champs sur cette carte là. À 90%. Mais au pire on peut annuler. Ah mais non, si on a eu la mission, il y a des moissonneurs qui vont voler là. Ah oui. Et là faut pas toucher aux missions là. Faut pas s'amuser. Là. Non, bah au pire on visera le 16. Le 16, il est à combien là? Oh, le 16, 235 000. Il y a quoi dans le 16 Anto, tu peux regarder s'il te plaît? Mission. Ouais. C'est une mission aussi le 16. Le 16 c'est aussi une mission. Ah oui, ouais. C'est aussi une mission, merde. Je suis plein. Ah bah. Ah oui. Pas où il est Soussou. Il est plein. C'est Anto, ouais, il est devant moi. Hollande. Anthony, il est devant. La New Hollande est pleine. Il est au bout de moi là. D'accord. Il est au bout du champ 10. Bah essaye de viser, de voir ce qu'on peut acheter en champ, hein, s'il y en a des intéressants. Le 22 il est à 283 000. Putain, ils sont chers les champs! Oh là là, les enfoirés! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, Soussou! Oui, c'est moi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le RP! Bah ouais! Tu le fumes quoi! Oh là là! Ah ouais, mais toujours! Hein. Ok, il a raison! Si tu peux y rentrer! Oh bah oui! Il y a le 22 qui est en avoine! 22 en avoine! Faut regarder avec les usines de prod, du coup, si on veut lancer de la bière ou un truc comme ça! Faut regarder si. De toute façon, on peut vous laisser le tracteur ici, Anto! Ça pourrait être pas mal. Je vais m'occuper de la ferme. Ok. Bref. Bah le problème c'est que ta benne on va la remplir en un coup quoi. Ce Satrimi plus la mienne, sinon, je pense qu'on va être blindé. S'ils ont besoin de toi, reste là-haut. Bah il nous faut un roulement. Hein. On est à 3 moissonneuses ici. Hein. Ouais, là, donc on est obligé d'avoir quelqu'un en rendement. Hein. Enfin en roulement quoi. Parce que là ça envoyait du steak. Hein. Tu me suis? Ah bah tu me suis, oui. Vas-y. Ah oui. Allez, tourne. Vas-y, mets-toi bien, et puis... Hop là. Je me mets bien. Bah, il y a Kurox qui vient de recouper en face de moi, ouais, nickel. Oui. Comme ça, on va faire les petits bouts. Les petits bouts, les petits bouts. Les petits bouts d'orge, mon petit loup. Par contre, t'as fait un bordel, la gilet, j'ai l'impression que le son est fort. Il faut faire un plan de la moissonneuse. Le plein de la moissonneuse? La Dutz, elle a besoin du plein? Oui. Bah, fais pas le plein parce qu'on va la vendre. Hein. On va la changer, la Dutz, hein, si on peut. Hein. À part si Anto nous vise un champ, il sera pas forcément cherche l'autre Ben.
Ah, je pense que le 22 il serait pas dégueulasse. Bon, il est un peu loin. Ouais, mais attends, c'est pas grave s'il est loin, au contraire. Hein. Ça fera promener les gars. Hein. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on choix. Va être, réussir à être rentable, c'est ça le problème quoi. Moi, je vais bientôt être plein. Ah, la fente idéale va être pleine, monsieur les remorqueurs. Ouais. Putain, ça tourne le commune, ça rigole pas. Oh, les missions de récolte, je les kiffe. D'ailleurs, du coup, vu qu'on va avoir Pokémon, on va avoir le Platinum, on va avoir le serveur communautaire, est-ce que vous avez un jour préféré ou préférez tourner sur le serveur communautaire? Est-ce que vous avez un jour où vous préférez à d'autres dans la semaine? Dans les jours de stream? Le lundi, c'est pas mal pour moi. Le lundi? Le lundi, ça me dérange pas. Bon, le mardi, il n'y a pas de stream en temps normal à part demain où, bien sûr, on va être sur le Platinum. Jeudi. Lundi, jeudi dans le chat. Allez-y, hein, dites-moi. On écrit, les gars. Mets un sondage. Ouais, ouais, au pire, fais un sondage. Ouais, au pire, on va faire un sondage. Allez, hop. C'est vrai, c'est pas con. J'y ai pas pensé sur le coup. Oui, tu peux toujours pas le faire, Anto, je sais. Je sais, je sais. Donc, il faut que tu t'arrêtes. Dimanche, ouais putain. Bah il va y avoir tous les jours mais sauf ce que je veux toi. Pas ce que je veux. Non non je veux mais on va que... mettre un sondage comme ça. Quel jour on fait le communautaire? Quel jour on fait lundi, mercredi, le vendredi live commu. Ça rentre? Ouais ça rentre. Lundi. Mercredi. Vendredi, dimanche. Et n'importe. Vendredi, dimanche et n'importe. T'as de la chance, hein, ouais. Ça rentre pile poil. Hein. Dimanche. Et OZEF. Allez hop, je marque OZEF, c'est pour vous dire on s'en fout. Hop là. Je désactive les points de chaîne. Tac. Voir les résultats. Allez, c'est parti. Hop là. Le truc est dedans. C'est parti, let's go. Let's go, les gars. Et merde le con. Hésitez pas. Tout, 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 tout. Il y a beaucoup qui marquent OZEF, oh. En fait. Hein. Je me suis planté. C'est OZEF qui gagne. Tu t'es planté. Moi, comme ça. Ouais. Oh putain. Tu t'es planté avec quoi? Avec l'orge? Ouais. T'as vendu une semi-complète? Non. Juste un tout petit peu? Non, il est stocké dans... pour faire la farine. Au moulin, il y a deux points de vente différents. Ouais. Ouais, alors bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave si t'en as pas mis beaucoup. 55 138. Et surtout, t'as livré où, toi? Lorsque t'avais... J'avais que même pas 1000 litres. Ouais, il avait pas grand chose. Ah, tu les as livrés dans le deuxième ou dans le premier là où il y avait le cercle, j'ai fait marquer l'endroit. Donc t'as ouais, livré dans le mauvais aussi. Dans le premier. Non, dans le premier, il l'a livré dans le bon. Dans le premier en venant de la gauche, pas vers la droite, pas de la droite vers la gauche. Moi je suis arrivé de la gauche vers la, vers la droite et le premier c'est pour faire de la farine. Et c'est dans le deuxième qu'il faut livrer. D'accord. Il y en a un qui l'a dit hier, et on va se faire baiser avec ça. Ah ouais, bah ouais, c'était sûr. C'était sûr, il y a deux sorties au même endroit. C'était sûr qu'on allait se faire. Bon, après, si t'en as pas vendu trop, enfin, si t'en as pas posé trop. Bah, il a tout vendu en fait. Il a tout mis là. Mais il y a les 50 000 litres. Ah, c'est que t'as dit, il y a les 50 000. Oh, pardon, excuse-moi. Parce que bah, moi, je baigne pour livrer, puis. Je vois le camion qui est dit. Mission terminée, je regarde 80%, j'ai dit, oh non. Ah ouais, bon bah après bon, c'est pas trop grave, c'est parti dans la farine, on verra si on a du blé, et peut-être que le blé, on arrivera à finir une mission et en faire sauter une quoi. On verra comment on se débrouille. Je sais pas si on a encore du blé. T'es en train de faire quoi toi, Chris, de ton côté là? Moi je suis en train de moissonner du colza. C'est du colza? Y'a pas de blé, y'a pas d'orge? Y'avait pas du blé, on avait pas planté du blé aussi? Non, y'avait que du colza là. Et on a que 105 000 litres. On avait pas fait du blé pour les poules? On a que 105 litres dans le usine. Pas dans le silo. Non, pas dans le silo, non, on s'en pas fout fait du silo. Il y a que du colza.
Champ 4 on n'a pas 10, fait que de colza vu qu'on avait les poules. La... Ouais, la remarque de derrière elle est pas pleine. Bon, on verra. Bah non, on verra sur le tard. Bonsoir Six Mon. Schizo, viens vider s'il te plaît. J'ai rien, j'ai 3000 litres. Eh ben t'as 3000 litres. À mon avis, tu vas le. Tu vas finir de me remplir. Il va être à côté de moi sinon. Il me reste 3% à remplir. Bah quand tu vas sortir, soit tu te mets à côté de Kurox, soit tu mets à côté de moi comme tu veux. Bah je vais aller à côté de Kurox, il doit être... Parce qu'il doit être plus plein, moi je suis à 40%. Lui il doit être plus plein parce qu'il tourne tout seul depuis tout à l'heure sur son côté. Ouais. Oh d'ailleurs faut que je fasse des screens, putain j'ai oublié. Ah je suis plein. Aurélien, Kurox. Ouais. Ah, la petite miniature. Ça veut dire quoi, Osef? Ça veut dire on s'en fout? Ça veut dire en clair, tu t'en fous? Mais vous êtes nombreux quand même le lundi, donc on va peut-être le coller le lundi. Vous êtes 4 le lundi. 8 pour on s'en fout. Lundi, ça peut être pas mal, ouais. J'aime bien. T'arrives derrière toi, ouais. Tu fais peur avec sa femme, j'ai l'impression que c'est un monstre. Moi là. J'arrive devant toi. Non, mais t'arrives devant moi, toi. Tape au milieu, tape au milieu au pire. Je coupe en deux. Vous voulez que je coupe le champ en deux? Ça va faire un triangle, on va se faire chier. Non, ça va faire un triangle. Non, mais coupe tout droit, toi. Continue tout droit, tu feras demi-tour. Je vais essayer de te prendre la ligne à peu près. On va essayer de s'aligner correctement. Je vais passer à ras de toi, normalement. Là je vais finir la pointe. Voilà, fini la pointe. Moi je reprends celle-là. Il y a les coureuses qui arrivent derrière, ça nous fera un champ à peu près rectangle. Tremble pas, ça va passer. C'est beau. C'est joli. C'est joli. Elle est où la top liner? Elle est chez nous, elle est de l'autre côté. Elle est en train de faire nos champs la top liner. Là nous on est sur des missions. Ah, Aurel qui est revenu. Ouais. Bon, bah, ça. Hop là. Ah, ça sera pour lundi je pense hein. Bon y'a beaucoup qui vous en foutez. Bah je verrai au niveau planning comment ça se passe. Et du coup on va tourner sur deux cartes plus le Pokémon. Donc je verrai comment on se passe. Mais j'aimerais bien switcher de temps en temps, c'est pour pas trop lasser non plus. Et après quand tu fais trop souvent la même carte, t'as vite fait de lasser. Et Bomberman, y a quand même beaucoup de complexité. Donc il y aurait la off, il y aurait le platinum. Parce que le platinum je vais le détruire. Ça c'est sûr et certain. Ça au départ on sera et sur après, un serveur. Dans la théorie, on attaque la crew. Et après la off on attaquera la crew ouais. Bah la après off on la va off, pas. Je croyais après la platinum. Ouais bah après la première qui va se terminer on va attaquer la crew quoi. Bah, la crew farm avant qu'on l'éclate. C'est pour ça que j'aurais voulu que la off on arrive à l'éclater en communauté, histoire de dire qu'on soit tous prêts, qu'on se connaisse tous pour travailler sur la crew farm. Et la crew farm, allez-y, je vous donne 6 mois et on va essayer d'éclater la crew farm. Vous allez voir qu'en 6 mois vous l'aurez pas éclaté. Bonne nuit Sixmon. La top c'est Chris qui l'a conduit. Ouais ouais c'est Chris qui l'est, il est dedans dans nos champs, là. Il est en train de faire nos champs, gentiment. Moi je suis un rigolo par rapport aux deux autres là. Il y en a un, il est bien énervé avec sa fente en plus. Tape de ses largeurs. Incroyable. Il fait peur derrière moi. Ouais, il fait peur. Après, bah, si on finit le platinum, bah, voilà, c'est le platinum qui sera remplacé. Et si on finit la off, et bah, c'est la off qui sera remplacée, quoi. On verra. C'est bon, on va là, je suis vite. Dans tous les sens, je serais curieux de savoir le communautaire comment il va se passer sur la crew farm. On va switcher dessus. Bon. Je suis curieux quand même. Une longueur pour moissonneuse. C'est ça. Et vu à l'allure où on va, je te jure, le truc il va être claqué en pas longtemps. Et pourtant, le 10 c'est énorme. Par contre, le rendement, il est pas ouf, je trouve.
Je le croyais ouf au départ, mais là, je sais pas pourquoi, sur l'intérieur, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins gros, quoi. Ils ont mis de l'engrais que sur le tour. Oui, c'est moi le patron. Tu peux faire des longs. Tu peux faire des longs? Non, tu fais pas des longs. Oui, God, tu fais des longs. Non, tu fais pas des longs. Tu commences pas. Des longs. En plus, j'ai l'écho. Je suis obligé de faire des longs. J'ai l'écho parce qu'en plus, il s'est pas muté sur le jeu. Il fait des longs avec la réverb. Fais des longs, chef. J'ai pas le choix, je fais le tour du poteau. Vas-y, fais des ronds, amuse-toi. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Hop là. Come to the to-d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 o-
Il y en a déjà une qui a volé, remarque. Ouais, bah, je vais pas le pousser. Je vais être gentil parce qu'il cherche que ça en fait. Il cherche à faire exprès. Oula, oula. Ouh, les carénages là, ça sert. Hein. C'est serré les carénages. C'est balayé par la New Holland, donc il... Merde. Allez, marche avant. Hop là. Oh, vous allez de suite au 4 après. Ouais, bah de suite au 4 après, ouais. Ouais, ouais, on va enchaîner. Ouais, comme ça, la même culture. J'ai de l'orge aussi dans le 4. Merde, pardon, j'ai fait des oublis. Ouais. Le 4 et le 10, ils vont au même endroit. Ouais, ouais. Mais de toute façon, les 3, les deux autres qui restent vont au même endroit. Ouais, alors faites gaffe au surplus, hein, parce qu'on va avoir du rab à mort, hein, je pense. Par contre. Oui. C'est parti où est le camion? C'est moi-même. Livrer. Il faut aller livrer au-dessus du 24. Oui, oui, je sais. Mais j'ai loupé un virage. Ah. J'ai loupé un virage, chef. Loupe pas le silo. Hop là, Chandis, éclaté. Le reste, non okay. Bah, Kourox, il va prendre le reste normalement. Oui, il est assez large. Ouais. Le 4. À la ferme. T'es plein Derrière nous, je crois. Bah, je te suis. Je crois, hein. J'attends, j'ai pas de conneries. Mais... Le 4, il est au niveau de la ferme. Ouais, ouais, il est là-bas. Ouais. Il est juste en face de nos champs. Vous allez être bon, récupérer vos barres de côte, vos chariots. Je pense que ça va passer. Je sais pas, on verra. Mais... Moi, j'ai un doute. Enfin, moi, je passe. Nous, hein, ça vu ma largeur. Ça va passer, là. La feinte, je sais pas par contre. Ouais, la NH, Ouais, si, tu devrais passer. Ouais, si, ça devrait être juste, hein. Parce que moi, déjà, la feinte, la JD, elle est déjà serrée, là. On va frotter les carénages. Pourquoi avec la idéale, tu me suis pas? Tu vas pas passer là-bas avec la barre de coupe. Ouais, tu passeras pas. Tu passes pas là. Là où on passe, nous, tu passes pas, ça c'est sûr. Tu passeras pas non plus avec la NH à cause de la remorque. Bien. Bien, suis-moi, suis mes traces. Là, tu passes. Poteau. Bon ben désolé pour le RP mais. Vas-y vas-y c'est pas grave. Tant pis. Tu fais gaffe, je crois que c'est un de nos champs par contre qui est à côté. Je suis pas sûr. Pas non on l'a pas maïs. Acheté, c'est... ouais on l'a pas acheté non, le maïs. Non, bon. Le 6 non ah, il est pas nous. On l'a pas acheté le maïs. On est d'accord. C'est bon. Ouf. C'est un peu. J'étais déjà dedans. Ah j'ai eu un moment de doute, c'est... j'étais pas sûr. C'est... Si le chiffre il est pas jeune, c'est que c'est pas nous. Hop là, celui-là on va le taper tout en longueur hein, vu la taille de. Vu la taille. On va faire deux tours, histoire de. Ouais, bon, on va faire deux tours nous et Kourox il va repartir sur la droite. Quand il va faire son tour à lui. Et au bout c'est il va refaire un retour. Ma barre de coupe. Ouais, ça s'est envolé. Elle est partie, en vacances. Partir un jour pour toujours, s'envoler. Notre amour. Ne pas se retourner. Pardon, excusez-moi. C'est la fièvre. C'est la fièvre du lundi soir. Elle a bon dos, la fièvre. Oui, oui, bah elle a toujours bon dos, la fièvre. Hop là. Ah, ça fait plaisir de jouer avec vous, les gars. Eh ben, eh. Depuis le temps que je regarde les lives, ça fait plaisir de jouer. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on fait les communautaires, c'est justement pour ça. Pour rassembler la communauté. Moi aussi, ça fait plaisir d'avoir autant de viewers nouveaux qui viennent jouer sur le communautaire. Bon, il y a des anciens, mais... Des anciens, on est habitué à voir. Ah, Marcus. D'ailleurs, il n'est pas passé à table encore, Marcus. Non, on est à veille. Hein. Ah. On est à veille. D'accord. Pas été joué avec vous autres parce que là vous êtes nombreux en masse. Ah bah il y a de la manœuvre, il hein. Y a besoin si tu veux. On peut, normalement, il y a de quoi faire, il y a nos champs à préparer, il y a tous nos champs à préparer derrière, il y a la moisson, il y a. Là il y a du boulot, hein. Là il y a de quoi être 10 facile. On doit pas en être loin. Hein. Je sais pas combien on est là.
T'es où, Korox? Ah oui, putain, on est trop bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, t'es on est 8. Je cherchais la remarque. Ouais, putain, je suis plein. Oh, j'avais pas vu qu'on était plein. Bouge pas, j'arrive. Vas-y, viens. Dépêche-toi parce qu'il y a. Il y a Anthony, il arrive! Ah oui, bah il va passer devant toi, Anto. Non! Je suis à 75. Moi. C'est quoi cette équipe là? Les pit stops là? Putain, t'es pas Luigi toi? Pit stop. On va changer nos places quoi. Hop là. Ouais, pas pour longtemps parce que moi je vais être plein. Je vais pas arriver au bout, je pense. Bah attends, il y a Soussou de toute façon avec les dents mortes, donc tiens. Il va enfin servir à quelque chose, Soussou. Hey, sérieux, je roule à 67 là. Ah là, il y a un bug là, c'est pété là. 67 avec quoi? Le camion. Non, avec la fente. Non, bah t'as fumé. Il y a du nitro dans la fente. Mon gars, deux bonbonnes de noces, eh, dans la trimie. Pas en moissonnant quand même. Non, non, sur la route, là. Ah, toi, t'as une feinte spéciale, toi. Quand t'as une feinte, c'est pas l'idéal, c'est... Bouge pas, j'arrive. Yes. C'est pas la feinte idéale qu'il a. T'as combien dans le maximum de ta trémie, moi, j'ai 9250. Ouais, c'est bon. Quoi, U? Non, c'est sur Anto. Sur Anto qui est arrivé comme une furie sur mon côté, je l'avais pas vu. C'est Anto qui fait peur à tout le monde. Avec mon petit Fen 300, tu sais. Hello Rino, ça va bien? Toi forme, tranquille. Tranquille Emile. J'ai un nez qui coule là, qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Sinon on est pas mal. On est pas mal, on est sur de la moisson. À trois moissonneuses, mais on a perdu la Fen. Ah non, ça y est, elle arrive. Non. La Fen arrive. Les champs étaient moitié, pas été préparés comme il faut, si. Si, les champs ont été préparés comme il faut. Normalement. Je sais pas, il faut regarder le score environnemental, de toute façon, normalement. Je vais te le dire tout de suite. J'ai la moitié du champ qui est en jaune-orangé, alors c'est pour ça. Je pose la question. Si, hein? Non, 94. Non, on est à 94, 93, donc non, on est bien. Bah, niveau récolte, j'ai la moitié du champ qui est en vert, l'autre moitié qui est en jaune. C'est normal, après, c'est le type de terre, ça. La moitié que t'as récolté qui est en vert, et que t'as pas récolté qui est en vert, l'autre moitié... Non, la moitié, même en récolté, elle est en jaune, jaune-orange, j'ai des mêmes détachements. C'est normal, c'est le type de terre. Tu l'auras jamais en vert foncé si t'es pas sur un ratio à 180%. Faudrait que ça soit de l'argile glaiseuse pour que tu l'aies à fond. Ah, oh, Aurèle a planté. Attends, j'ai que 2000 litres sous. Ben ouais, mais... Oh, mais la vitesse où il avance. Oh putain, il y en a un vénère qui arrive, attends, bouge pas. Attends. Vas-y, je te vide. Non, tu me vides. Le DLC sort à quelle heure demain? On sait. Bah, il est déjà sorti. Moi, j'ai déjà la carte, j'ai déjà le matériel, tout ça. Il y a eu un moment d'hésitation si je le faisais tout de suite ou pas. Et du coup, on a dit, vu qu'on l'a programmé pour demain, on le fera demain. Voilà. Je me mouche, désolé, j'ai que du PQ pour moucher parce que j'ai avec ça dans les poches. Mais j'ai le nez qui m'emmerdait depuis tout à l'heure. Bah, coupe-le. De quoi? Le nez? Mais ouais, si te gêne. La langue qu'on devrait lui couper. Bah alors, courage ça. Non, il y a une remorque derrière. Ouais, va checker Rino, nous on l'a. Hein. Nous on l'a déjà reçu. Hein. Alors, apparemment, ce qui était précommandé l'ont eu 24 heures en avance. Ceux qui l'avaient précommandé l'ont eu 24 heures en avance. Alors, Bah pourtant, je suis pas au courant, mais bon. J'ai pas regardé moi si je l'avais. Bah nous on a eu l'actu FS22 là qui a popé sur le Discord comme quoi que ça le marquait. Du coup les gars ils me l'ont dit tout à l'heure quand j'ai popé à 8h15 dans le Discord, ils m'ont dit il y a le Platinum, on fait quoi? On fait Oberman ou Platinum? Et vu que moi j'avais tout programmé pour demain, bah ça me faisait chier de décaler l'audience aujourd'hui. Le serveur était pas en place, rien du tout. Il y a le serveur, voilà, il est pas en place, il y a rien de prêt, donc du coup bah ça sera pour demain pour nous. Demain ça sera plus de cool. Mais j'ai bien la carte, ouais, j'ai été vérifié en solo, j'ai bien la carte, j'ai bien tout ça, donc donc là demain dans la journée, bah pas demain matin mais demain après-midi, je vais préparer le serveur. De toute façon là je vais relouer pour 3 jours un serveur 16 slots et après on récupérera la save et je la remettrai sur ton serveur à toi Anto. Il faudrait que tu me fermes la crew farm d'ailleurs.
Pourquoi tu veux louer un serveur? Bah c'est parce que t'es pas en CSLOT toi. Je peux. Ouais mais ça te fait faire une tonne de manip quoi. Bah non, suffit juste de supprimer un serveur que... Et bah écoute, bah prépare-moi un serveur CSLOT avec une save, une nouvelle save sur le platine. La crew farm, c'est pas moi hein. La crew farm? La crew farm, c'est pas toi? Bah non. C'est qui la crew farm? C'est là où tu le mets d'habitude. C'est Kali normalement. Bah non, Kali, on est sur le serveur à Kali. Avec la Oberman, c'est Kali. Je l'ai remis dessus. C'est le mien qui est en crew farm? Bah normalement non, c'était la vallée d'Ella qui est passée en crew farm. Bah ouais, donc c'est le serveur en tout. Parce qu'on voit encore popper Svita crew farm dans les serveurs de recherche. Bah il y en a un, il est en Svita Platinum Edition. Ouais, ça c'est celui que j'ai préparé. Et c'est celui-là qu'il faudra que tu passes en 16 slots si tu veux que je le prenne du coup. Et ouais, bah alors il faut que je regarde c'est qui a la crew farm qui tourne suite à test alpha. Ouais, celui-là il est sur LMP. Ça n'a rien à voir. C'est pas étonnant. Et le deuxième. Ça m'étonnerait, c'est lui quel dossier il avait pris. Bah ouais, ça m'étonne. Bah c'est pas grave. Il est en validé là. Le truc d'accès c'était sur quel que tu m'avais filé les codes. Justement où t'as fait les codes ouvriers, est-ce que c'était pour la crew farm? Le code ouvrier ça doit être un de mes serveurs à moi je crois. Eh bah la crew farm alors c'est toi qui l'as. Parce bah, que je regarderai tout à l'heure. Serveur ouvrier c'est les accès que tu nous avais donné pour ton télécharge justement. Les modes et tout. Ouais bah ouais pour que vous ayez accès au serveur. Donc bah c'est toi. C'est moi qui ai laissé allumer un G-Portal? Ouais. Putain ça me paraît bizarre. Je sais pas, je vais voir en même temps. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît chelou cette histoire, que ça soit moi. Désolé, vous avez pas le son du jeu, hein, c'est normal. Mais c'est possible, hein, c'est possible que ça soit ma colère. Tu vas y arriver, Anto, tu vas y arriver. Il me dit, ouais, ce serait bien que je le fasse. Oui, je suis mal pris là. Il m'en reste un peu sur la classe à remplir. Ah ouais, bah c'est arrêté, attends, je vais. De toute façon, je vais arriver au bout, la fin, t'as va faire la fin du rang. Eh ben. Oui, je sais pas où. Attends, deux secondes, c'est que je suis en train de. C'est en zigzag à la fin, donc. Je peux pas switcher le truc, là. Aurel, il est parti complet, lui. Je sais pas si Aurel est parti complet. Si, il vient de quitter le Discord. Oui. Ah, il vient de quitter le Discord, je sais pas. Bah, il a peut-être planté en niveau co. Hein. Il reste de la place dans la classe si t'en restes. Non, moi je suis à zéro, là, c'est bon. Ah, ça y est, bah, tout, elle revient, je suis dégoûté, quoi, putain. Allez, je suis en train de crever. T'as pas un truc à boire? C'est moi la crew farm, putain, quel connard. Là, c'est moi, c'est le troisième serveur que j'ai ouvert, putain. J'ai trop de serveurs. Tu abuses, Schizo ou... Oui, si tu veux. Je vais passer vite fait, il me reste 1% à remplir. T'en dire pas grand chose. Oh. Moi j'ai un serveur 6 slots qui traîne pour les tests de la crew farm, c'est ça. Et je mettrai la carrière de la crew farm dessus de toute façon. Donc la crew farm vous allez la voir repopée. Salut Fafa. Donc ouais c'est tout à fait ça. Donc désolé Anto, ouais c'était de ma faute, autant pour moi. Toi t'es blindax toi, alors, tu vas jamais me piquer. C'est bon, je suis plein. Pourquoi t'as essayé de te mettre en dessous? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Allez hop. Il est où le camion remorque là? C'est la queue mon ordi qui vient de crash qui marque Aurel, tu vois. À la queue de où? T'as fini de rénover l'étage? Le camion, il est avec l'ordi qui a crash. Ça manque de finances. Y'a personne dans le camion? Ben non, il a crash. Ah. Les finances personnelles à la maison vont très bien. Vont pas très bien. Je vais vous laisser des miettes. Non, bah là on va partir à droite et Anthony va partir à ma gauche. Ah bah si, bah non, ouais en fait. Ok. Oh wow, 18ème mois d'abonnement pour Aurélien en niveau 3. Ça c'est un vrai. Ça c'est un beau gosse. Ça c'est un VIP ça. Je vous ramène le camion, les gars.
GG, merci. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup pour le sub. Niveau 3. GG. Non, il y a même ma femme qui me gueule dessus pour me dire c'est quand que je le finis, c'est top à la con là, niveau rénovation dans le tour. Dans le... Parce qu'elle voudrait bien que la deuxième pièce soit faite. Ah l'enfoiré, il va me vider. Il va se vider dans moi. T'sais. Fais pas le con toi. Dégage. Non. Tu peux pas. Je suis trop. Tu peux pas. Je suis trop. Voilà, là, tant pis pour toi, de toute façon, je suis plein. Alors, ouais. Tu m'auras pas. On manque de remorque, les gars, là. En train de se battre. Ah. Sérieux? Bataille de moissonneuse. Il cherche à tout prix à s'emboîter. J'ai pas compris, Aurélien. Ah, c'est rien, si, pour labo, ok, d'accord, ouais. Bah si, c'est énorme, en niveau 3, c'est énorme. Vous êtes pas nombreux en niveau 3, hein. Vous êtes 2, je crois, sur la chaîne en niveau 3. Pourtant, c'est le seul moment où j'ai des 70-30. Après, le prix de l'abonnement en niveau 3, je le comprends pourquoi vous êtes que 3. Hein. Attends, Anthony, je te laisse la place, hein. Bouge pas. Attends, regarde, hop. Là, je suis plein, moi. Je suis à 100%. Je vais me mettre d'à côté de Kurox, là. Hop là. Ah pardon, excuse-moi. Enfin, bras de fer. Ah, Soussou, il arrive avec le camion. Bon, on arrête les conneries, là, 30 secondes. Vous faites tousser le patron. Demain, il va falloir qu'on soit nombreux pour péter le platinium, quand même. Ah bah demain, il va falloir un maximum de monde, ouais, sur le platinium. Je vais faire de l'annonce demain. Demain, début d'après-midi, il y a tout qui va popper de toute façon sur les réseaux et tout ça. Donc, pour faire du bois, il va falloir qu'on soit nombreux parce que le but du jeu, ça va être de crash le problème. T'sais. Ça peut être vite résolu, ça se trouve en 5 minutes, ça va tout planter. Bah, justement, je vais voir parce que ils ont fait une correction. En plus, il y a eu deux patchs dessus, donc normalement, ça devrait rouler du feu de Dieu. Je veux essayer. Pastille au miel pour la toux. Oh là, mon pauvre scorpion, si tu savais. Si tu savais tout ce que j'ai essayé. Bah c'est la ruche qu'il faut prendre à ce niveau-là. Je l'ai bouffé la ruche aussi, c'est avec les abeilles en plus. Et, ça a rien réglé. C'est ça le problème, justement. C'est peut-être ça. Il reste une abeille en travers. Ça fait un mois, j'explique au Toubib, le Toubib me croit pas. Tu sais. Je lui explique, parce que j'arrive à avoir rendez-vous qu'une fois toutes les deux semaines, parce que pour avoir un Toubib, il faut se lever tôt. Je lui explique, un jour je tousse comme un gros porc, j'ai plus de poumons, je suis en train de cracher mes poumons. Un autre jour j'arrive, j'ai un mal de gorge comme pas deux. Un autre jour j'ai quasiment rien, ça se passe bien, je passe une bonne journée, je peux bosser tout ça. Et il y a un autre jour, je vais arriver, je vais mais avoir 42 fièvres presque et puis quasiment rien foutre de la journée parce que je suis en chaos technique. Et je switch comme ça sur ces trois trucs. Ça fait presque un mois là que ça arrête pas de switcher quoi. Et yo mon petit Bono, comment tu vas? Oh putain, 25e mois d'abonnement pour Bono. Ah c'est plus de l'ancienneté là. Et préparer la maison de retraite. Comment il va le petit Bono? La forme? Tiens Bono, j'ai une bonne nouvelle pour toi d'ailleurs. J'ai la crew farm qui va bientôt arriver. Quand elle sort de déco, je te l'envoie. Et t'auras en mission. T'auras en mission de jouer dessus et de contrôler un peu les niveaux de prod. Voir si les prix de SIG sont pas trop chers ou si ça déconne pas, tu vois. Ouais, t'inquiète, je t'enverrai un MP de toute façon. D'ailleurs, le challenge 4 jours de la déco va être tenu ou pas? Ouais, pour l'instant, il est bien dessus. On a une autre mission à faire ou c'est fini? Non, il y a le 16, je crois. Ouais, il y a le 16. Au bout de la carte. Oh putain, mais là par contre. Ça peut passer. Au courant que c'est. Toi avec moi, si ça peut passer. Passe par le champ de maïs. Y'a que la remorque qui va te gêner en fait. Ouais. Oh putain. J'ai pris quoi moi? Ah non, j'ai déraillé. Attends, on peut peut-être la pousser un peu là. Oh là. Ah bah. Et je l'ai poussé un peu violemment du coup. Il a porté. Parce que moi je vais commencer la crew farm en partir de zéro en carrière.
Et je vais m'occuper de tout ce qui est visuel, voir s'il y a des glitches ou des bugs. Mais il me faut une équipe qui rush les usines et qui regarde si les usines ne coûtent pas trop cher en cycle journalier, quoi. Parce qu'on a eu des surprises au premier coup, quoi. Donc je vais te filer à ton équipe si ça te dérange pas. Après vous pouvez jouer normal dessus. J'ai pas dodo toi. Quand vous aurez peut-être pas encore la récolteuse. La récolteuse spéciale à coton. Vous avez tout vidé dans le camion ? Easy Kangaga. Ouais, j'ai tout vidé dans le camion, moi. Ouais. Vous aurez peut-être la cotonnière. Ouais, on est vide, ouais. Ok, je vous amène le tracteur dans le champ 16, alors. Ok. Ah ouais, je te conseille vraiment d'être 4 dessus. J'ai le droit d'être en émission. Je te conseille vraiment d'être 4. Hein. Ce serait pas trop mal. Non, non, je parle à Bono. Je parle à mon chat. T'inquiète, il y a 3 tarés. Ce sera pas du luxe. Ah bah pour les essais, ouais. Pour les essais, il y a intérêt d'avoir du monde. Il est actuellement indisponible. Qui est actuellement indisponible? Putain, voilà. Ah, tu peux prendre la barre de coupe, tu passeras pas. Ouais. Tu peux prendre la remorque, tu passeras pas en ville. C'est sûr. Elle est là en plus. Oh putain, j'ai un tracteur qui vient de me passer devant. Ça va mettre le mode facile, voire normal. Et de toute façon, y a sur la version carte que tu vas avoir, il y aura que le mode normal de dispo. On n'a pas fait encore la version facile et la version difficile. C'est moi qui vais la créer, la version difficile. Et puis, t'auras que la version la même que nous, gérant de ferme en fait. C'est le 16, hein, c'est celui-là. Hein. On va dire conneries, ouais c'est celui-là. Puis ça sera la dernière ligne droite et après la carte elle sortira. Il manquera plus que la récolteuse. Au lieu d'avoir une cotonnière, vous aurez une belle récolteuse à Easy Gangaga. Ça y est, j'en finis. Puis ça se passera bien. Et après sortie de la carte. Et après vous vous démerdez, vous jouez dessus, vous ne l'aimez pas, vous crachez dessus, vous torchez avec si vous voulez, je m'en fous. Et j'en entends plus parler. On vous préparera des surprises pour la suite, mais quand on aura la motivation, parce que là on en a marre. Toute l'équipe en a un peu marre de la Koufa. On a beaucoup trop d'heures dessus, quoi. Répertorié à nous tous, on doit avoir entre 6 et 700 heures. On a vraiment marre. Avec tous les problèmes que Giant nous ont recréés en plus par-dessus, pour te dire que le découragement est arrivé plus d'une fois. Tu vas pas arriver à la mettre dedans? Ah, c'est non, dommage. Il va être 3 heures passées, hein, j'ai l'esprit mal placé, désolé. Hein. La mettre dans quoi? Dans ton cul! Pardon, c'était plus fort que moi. Et toi, comment tu vas, Bono? Sinon, ça roule? Twitch, la forme? Ça fonctionne? Warship, t'as repris? Oh, j'ai la voix qui part en couille. Oh. Tu vas voir, demain, je vais pas avoir de voix. Tu paries combien que demain, je vais pas avoir de voix? J'ai mal à la gorge, c'est là. C'est pas grave. Ah bah si, c'est grave. Ça va être grave si j'ai pas de voix demain. Prends des mimes. Prends des mimes. Je vous présente le DLC Platinium. Allez, Percora. C'est ça. Tu fais tes intros pour les sourds, tu peux bien faire un live pour les sourds. Ouais, je comprends. La nouvelle map est franchement belle. Bah merci. Et encore, vous avez pas vu le déco? Vous avez pas encore vu avec la déco au fait. Hein. Bah déménagement, donc 5 mètres 5 mégas de coup. Ah ouais, oh. Oh Bono. Mon pauvre. Du coup 4G pour la. 4G pour les streams, non? Vivement. Ouais, vous avez t'inquiète pas, Rino, nous c'est pareil, c'est vivement que ça sorte aussi. C'est... Vivement aussi, j'en ai marre. 4G box en quantité limitée. Oh, pourquoi en quantité limitée? T'aurais dû la prendre chez Bouygues, elle est en illimité. Si t'es client free maison, t'as la 4G limitée aussi. T'as la DSL free.
rien compris. Hein. Par Orange, je suis client sur le mobile. Ah. Oh putain, ça doit être short. 5 mai, ça va, j'ai 1,5 max perso. Oh là là, je vous plains. Je vous plains. J'ai connu. Cette galère est terminée pour moi. Depuis que j'ai la fibre. On l'a depuis 2 mois maintenant. Un mois et demi, 2 mois. Ouais. Bah, je suis bien content. Ça a changé ma life, franchement. 200 gigas par mois. Ah ouais, non, mais tu stream pas sur 200 gigas par mois. C'est chaud. 200 gigas par mois. L'épandeur à chaud, il est où? Tu rigoles, moi, je suis à 1 tera. Je suis à 1 tera au mois, moi. En consommation. Comment tu peux être à 200 gigas par mois en stream, toi? Ah, tu fais peut-être pas de la 1080, tu fais peut-être de la 720. Bah, c'est pareil, l'envoi, ça doit être énorme. Tu dois galérer sa mère. Mais bon courage, mon petit Benoît. Mission galère comme ça, je connais bien. Bon courage à toi, en tout cas. Mais ouais, je te dis, Free et Bouygues sont en 4G limité. J'ai de l'engrais dans celui-là. Même client mobile. Même avec celui-là, on c'était un fixe à prendre. Si t'as un fixe à prendre, prends un fixe. Oui, mais tu prends la chose de l'autre côté de la route. Free, y a pas de. Je crois qu'il y a 19 balles de supplément. Si t'es en 4G limité. Et Bouygues, par contre, c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est 39 ou 49 balles. Comme ça. En 4G limité. Ah, ça n'a pas vidé du bon côté. Allez, je retrouve mon copain Anthony. Je me remets à ses côtés. Allez, allez. Il fait un trou en tout cas avec la feinte. Ouais, il fait un beau trou. Il fait un passage qui fait nos deux passages à nous. C'est pas quand même. Franchement, en débit, Free, c'était plus gros que Bouygues. Mais Bouygues était plus stable que Free. Donc après, à toi de voir. T'es. Un débit aussi stable que la 3G chez Free, ça sert à rien. Free est pourri. Ah ouais, Free est pourri chez toi. T'as pas l'antenne à côté. Ouais. Ah ouais, c'est dommage. Ça, c'est pareil, quand t'as pas les antennes à côté, t'as envie de crever. Combien de fois j'ai réglé l'antenne pour arriver à capter les deux. Putain. Ces moments de solitude sur le toit en train de régler l'antenne comme un gros con. Avec le téléphone portable, là, avec l'interface de signal réseau, là. Putain. Monter juste avant le live parce que t'as pas de réseau et que t'es en train de taper sur l'antenne comme un gros con pour la réaligner parce que t'as un pigeon qui a foncé dedans parce qu'il est aveugle, t'es. Il y en a des anecdotes sur la 4G à l'époque quand j'y étais, hein, je peux vous le dire. Hein. Entre les reboots de modem qui servaient à rien et les montages sur le toit en dernière minute à moins 10 là. Et il faisait bien nuit là, tu montais sur le toit, t'as le voisin il te regardait, il me dit qu'est-ce que tu fais. Il dit rien, j'ai pas de réseau, je peux pas bosser, tu sais. J'ai que des vieux en voisin, tu sais, les gars ils pètent les plombs, tu sais. Quand ils me voyaient monter sur le truc à cette heure-là, tu sais, des fois à 8h je montais sur le toit, tu sais. C'est pas une bonne idée de mettre les big bugs ici. Si, c'est une bonne idée. Non. Je suis dans la montagne, ou une colline. Ouais. Tracteur avec la fourche, tu élévateur à big bug. Moi je suis en plaine donc ça va. Enfin, je suis sur la colline, on va dire. Il faut pas m'amuser à prendre ton tracteur pour remplir un machin. Free poubelle, je suis parti chez Bouygues. Bah, Free, le problème c'est que ça marche bien, mais qu'un temps. Ça marche super bien, c'est pas cher. Mais le problème, c'est que c'est pas stable, quoi. C'est vraiment pas stable. Tous ceux qui ont eu Free, qui m'ont rapporté des trucs sur Free, ont toujours eu des problèmes de stabilité, quoi. Bouygues, je les trouve, rapport qualité-prix, correct. Faut pas dire c'est cher, mais c'est correct. Toujours moins cher qu'Orange. Mais par contre, le débit, il est pas forcément présent de ouf, quoi. Merci pour le Discord de Scorpion. Mais bon, là, je suis chez Free, en fibre. J'ai répétiteur de Wi-Fi dans la maison. J'en ai 3. J'en ai 2, pardon, excusez-moi. Avec le modem, ça fait 3. Mais j'ai 2 répétiteurs de Wi-Fi. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Hein. J'ai pas de problème. La télé, elle est à l'autre bout de la maison sans problème. J'ai l'ordinateur de la femme qui est connecté. Les tablettes, les ordi, les tels des gamins.
Franchement, non, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas de problème. Pas de latence, pas de problème dans le réseau stream. Il y a Call of où j'ai une petite perte de MS quand je suis en stream, ce qui me rend mauvais. Parce que j'ai refait une partie Call of derrière, hein, quand on l'a fait en stream. J'ai continué à en refaire une, tu sais. Bah, c'est bizarre, j'ai retrouvé directement mes 20 kills, tu sais. Ça me paraissait chelou, tu vois. Donc c'est que je prends un peu de latence en fait avec le stream. Non, je sais pas. Bah moi pour mettre la pression en stream, il faut commencer à me lâcher énorme. T'es. J'ai aucun problème chez Bouygues, j'ai haut débit. Ouais bah comme moi depuis que je suis en fibre là, j'ai pas trop à me plaindre. Enfin j'ai même zéro à me plaindre, ça va plutôt bien. Mais... Oh, qu'est-ce que t'as fait Anto? Quoi? Bah t'as pop le Xerion. Pourquoi t'as fait disparaître le Xerion? Bah parce que je l'ai besoin. Bah tu peux pas te déplacer avec au lieu de le reset. On va y avoir. Quel feignant le mec. Non, y a pas d'easy dev sur le serveur. Je l'ai enlevé, je l'ai supprimé. Bah ouais, sinon les gars ils allaient abuser, tu sais. Ça devenait une piste d'aéroport les sapins. Sur le commu. Ouais, surtout sur le commu, ouais. Mais éviter d'avoir un easy dev sur le commu. Non, quand tu réinitialises, il atterrit directement à la ferme. Tu veux faire du Warzone avec moi? Wow, vieux. Alors, va falloir que tu te lèves tôt parce que Warzone, déjà, c'est pas une catégorie que j'aime bien. Je suis plutôt MME, enfin, oui, match à mort par équipe ou par domination. Domination, je kiffe. Mais le Warzone, moi, je suis pas trop Warzone. C'est lâcher 100 pélos dans une carte et il faut que tu sois en top 1. M'intéresse pas. Moi, je préfère rusher, trouver les gars en rushant comme un tocard et buter les mecs. Je suis pas trop courir après des pigeons là et fuir une poche de gaz. C'est... Ouais, bah ouais. Mais faut venir, il y a VG hein, qui en fait un, hein, Bip VG. Hein. VG, il a une petite équipe hein, qui tourne bien. D'ailleurs, ça avait plutôt bien marché. Hein. Je crois qu'on va en refaire un peu vendredi, je pense. Ah non, vendredi, c'est la sortie de Pokémon, merde. J'ai oublié. Oui, tu peux réunir les deux champs si tu veux. Ça fera des plus gros. T'es sur Pokémon vendredi? Bah, il me semble, c'est quand le 18 là? C'est pas vendredi? Bah, on est le 15 demain, c'est. Ouais, si. Si, donc vendredi, normalement, on est sur Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous ce soir. On va pouvoir s'amuser là-dessus. Ça va sortir du traditionnel Pokémon. Je sais pas qui est-ce qui va me suivre là-dessus, mais. Je sais pas qui est-ce que ça va, qui va apprécier, mais ça va sortir du traditionnel. Ça va être sympa. On peut acheter une Pikawa là pour les potes. Naraka. Black Point, nouveau Battle Royale avec des épées, c'est super. Je l'ai pas testé, franchement. Si, il y a un Pikachu à acheter. Donc je vais pas juger, peut-être que c'est super, hein. faut que je le teste. Je prends la version violette. On a ce qu'il faut. Parce que mon voisin a l'écarlate. Oh, ta fourche fumier. Du coup, on va s'échanger les Switch quand on aura fini les versions. Il en faut une en fait pour les poules là-haut et une pour la ferme. Alors, du coup, c'est pas vrai. Si on peut mettre 600 pour acheter. Bah on va mettre 600, hein. On est plus à 600 près quand on achète des Xerion à 480. Je crois qu'on peut mettre 600 euros. Ouais, il a bien le Pokémon du Sud. Parfait. Bah moi c'est pour ça que je le veux le faire, hein. C'est parce que c'est le 10e jeu Pokémon qui sort là. C'est les 25 ans. C'est pour ça que je veux me rappeler la jeunesse en fait, tu vois. C'est pour ça que je veux faire le trait au milieu là, Anto, parce que vu que je suis en train de faire les allers-retours entre les deux champs. Là. Sinon j'irai pas dessus, franchement. Si c'était une version basique comme d'habitude, j'aurais pas été dessus. Cache pas, hein. Mais là, vu que c'est une version spéciale et tout, puis ça peut être marrant de se remémorer la différence entre la cartouche jaune et la violette aujourd'hui, ça peut être marrant. Tu te tâtes aussi à l'acheter? Bah écoute, tonton, je te dis, moi je le fais le 18. Je vais prendre les legatos, là, je vais mettre la Switch, je vais regarder niveau son, comment je peux faire pour avoir le son dans le casque. En même temps que vous l'ayez dans le stream, ça va être le plus gros problème que je vais avoir, c'est ça. Mais après, normalement, ça devrait bien se passer. Il y aura peut-être 2-3 trucs de l'interface qui ne marchera pas. Mais ça, j'y suis. C'est fini l'émission, non? Normalement, oui. Il n'y a plus qu'à vider. Ah, il manque toujours du blé, quoi. Ah oui, il y a toujours du blé. Ouais. On n'avait pas de blé, nous, hein, chez nous. Hein. On n'avait pas fait de blé. Non, on a que 105 litres. Ah, ouais, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que vous avez monté en ben là-haut, c'était du blé ou du sorgho? Qu'est-ce qu'on fait, blé J'ai monté
La... Non, il n'y a pas de blé dans les silos. C'est chez quoi nous. Les... Le 14, le 10 et le 4 là-haut. Là bon, on peut peut-être garder la mission active de blé pour voir si au mois d'août il n'y en a pas une autre qui pop. Hein. On va avancer un peu le temps et essayer de voir. Hein. J'ai acheté le Arceus. Il est sympa. Bah moi déjà il m'avait tenté. Il m'avait fait de l'œil. J'étais à deux doigts de l'acheter et puis je me suis dit ouais surtout je vais être en retard. Je voulais le prendre un mois après sa sortie. Je me dis bon, allez, laisse tomber. J'ai dit on verra la prochaine version. Et puis c'est là où j'ai entendu qu'il y avait les 25 ans, tout ça, les éditions spéciales qui allaient sortir, qu'ils allaient changer, qu'ils allaient mettre en mode ouvert et tout. Ah, je me suis dit allez hop, on fera celui-là. Ça fera un retour sur Pokémon, je vais peut-être pas accrocher du tout. Hein. Mais ça peut être sympa. A plus, à plus. Oui. A plus, Kurox. Merci du coup de patte sur le commu. Bonne nuit. Du coup, oui. Alors, en mission, si on revient à farming, si j'avance le temps, il y a peut-être une mission de blé. Est-ce qu'il reste du blé sur la carte déjà avant de se dire qu'on a un espoir 22, c'est quoi, de l'orge? Non, on est baisé. Avoine? Non, il n'y a plus de blé. Il n'y a plus que le 14 en blé et le 14 a été récolté. Donc on n'aura jamais la mission de... On va perdre une mission, les enfants, on va perdre de l'argent, c'est sûr. On va en gagner pour en perdre derrière. En plus, on n'a pas de blé de rab, ça veut dire qu'on n'a pas de blé pour les poules non plus. Le cycle, il vient de finir. Je sais pas comment on va nourrir les poules cette année. Là. Mais avec de l'orge. Avec de l'orge. On a du sorgho aussi dans le silo. Ah oui, c'est du sorgho que j'avais fait... Vous savez, du sorgho que j'avais fait, c'est vrai. Bon live, bonne soirée. Okay, ouais, c'est pas mal. Merci d'être passé. Ça peut le faire. Tout va bien à la maison sinon? Bah à part le fait que moi je suis malade depuis un mois et que on a passé une... On va dire quelques épisodes à l'hôpital, que ce soit moi, Katsu, Oti. Oui, ça va. Salut Rasta Croquette. On va dire qu'on a pris un abonnement depuis le mois de juin. Et que tous les mois, il y a un de nous qui y va. Voilà. Ils ont loué la chambre. On a loué la chambre, quand même fait chier, je pars faire un séjour. Voilà. D'ailleurs, c'est que tu l'installes quand le setup là? Je sais pas, je suis en train de voir avec les infirmières si elles veulent pas me servir de décor. C'est quoi qu'ils appellent monde ouvert dans Pokémon? Bah l'open world quoi. En open world. Bah tu verras, tu découvriras ça le 18 en même temps que nous. Moi je me suis pas trop spoilé mais j'ai vu quelques vidéos sympas. Mais je pense en open world complet quoi. En open world tu vois pas, bah en fait alors si je parle dans les versions jeunes, t'en rappelles, t'es obligé de suivre un chemin et un secteur d'activité en fait pour faire tes quêtes et tout ça. Là je pense que tu pourras aller te déplacer un peu partout quoi. Je pense que tu pourras faire tout ce que t'as envie à droite à gauche, aller chercher les Pokémon que t'as envie. J'ai regardé un début d'essai. Il y a quelques youtubeurs spécialisés Pokémon qui l'ont fait en avant-première et qui ont été le tester. Il y a quelques vidéos gameplay qui sont pointées et apparemment ouais c'est sympa, t'as des quêtes annexes, t'as des quêtes simples. Ça me fait penser un peu à un mélange de Warcraft et de Pokémon, donc du coup ouais. Ça peut être un gameplay qui peut être intéressant. Voilà. Du coup moi je vais vous laisser gérer les fins de mission parce que là je sais pas comment vous allez vous en sortir mais je pense qu'il y en a une qui va péter, c'est sûr. Et je sais pas laquelle que c'est. C'est laquelle qu'on a foiré, c'est le blé? Donc c'est la 14, ouais, la 4000 euros. Ouais. Et puis... elles sont peut-être... toutes à 80%. Ouais. Orge. Ouais. Ouais mais il manque une semi qui est pas vidée là. Attends, il me reste du grain de la mission qui est terminée là. Bah ouais, quand tu vas poser l'orge, normalement ça va finir les deux d'un coup là. Ou sinon il y a le bug avec le DLC précision et du coup on peut pas... Il y a moins de rendement et... Il y a moins de rendement et on peut pas... Les missions on va les avoir niquées quoi. C'est possible. Ouais, c'est fort possible. Ouais. C'est possible. C'est pas comme si ça l'avait pas déjà fait. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est pas comme si on l'avait déjà pas connu, t'es... On est d'accord. On est d'accord. C'est vrai que ça peut arriver. Mais bon. Ça devrait bien se passer. Je peux pas vider ma chaux. Tu peux pas vider la chaux? Bah là où il vient de labourer, là, généralement quand tu labours, tu vides la chaux, là où il a rallongé les champs. Ouais. Vide dans le sens. Ouais, essaye de vider le sens, ouais.
A plus, Bono, des bisous, tassons-nous. Hop, on va revenir en plein écran. Et on va se laisser là pour ce soir. J'ai le nez qui est bien plein. Tiens, on commence à être bien plein. J'ai la fièvre qui commence à remonter. Donc je vais vous faire des bisous. On se retrouve. Accepter le champ 16. Demain soir, les gars, j'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de votre présence. J'ai besoin d'un maximum de monde sur le Platinum pour qu'on éclate ce Platinum. Donc le serveur sera ouvert à full, en open source. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà, n'hésitez pas vraiment, si vous avez pris le Platinum, n'hésitez vraiment pas à venir. Je veux qu'on éclate cette partie à 16. Si vous voulez être les premiers arrivés, vous serez les premiers servis. Donc à partir de 8h30, je devrais être sur mon Discord. Donc tous ceux qui veulent arriver à 8h30 pour être sûr d'avoir une place, venez à 8h30. Sinon, après, je ne peux pas forcément réserver les places suivantes. Voilà, je vous le dis, il n'y a que 16 places. Et vous êtes beaucoup plus nombreux en live. Donc voilà. Donc demain, il faut arracher. Bah, c'est pour ça qu'il fera venir tôt, hein, si tu veux rentrer. Après, j'ai pas envie de faire la police avec qui rentre pas. Premier arrivé, premier servi. Voilà. Demain je suis en camion, je veux pas du Platinium, mais pas de problème, Corox. Après, il y a toujours le serveur communautaire pour ceux qui veulent pas jouer au Platinium. Putain. Oh, j'en ai marre. Il y a toujours le serveur communautaire qui va tourner. N'hésitez pas à y aller dessus, faire vivre ce serveur. Parce que la prochaine carte qui sera dessus, ce sera la Crew Farm. Et je sélectionnerai les gars qui seront déjà avec nous sur Offberman pour les ramener sur la Crew Farm en priorité. Voilà, si on a des problèmes de place. Donc je vous le dis, n'hésitez pas à venir sur la Offberman pour venir de filer un petit coup de main et faire tourner la carte. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. On va raid Harp. Vous connaissez pas? Bah, il vaut le détour, c'est Jeff Panaclock. C'est tout. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine, Aeskizo. Merci beaucoup, merci pour cette soirée, merci pour les beats, merci pour les subs, merci pour le café, Seb. Promis, je te promets que je prends un choco chinois avant d'aller me coucher. Je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous. Merci aux gars d'être venus nous aider. Merci à Aurel qui nous a fait 100 euros de dons ce soir. Merci énormément. À la prochaine, Aeskizo. Ciao. Bonsoir, ciao ciao. Bye bye. Au revoir. Thank you.